Bonjour à tous, c'est Flore de la chaîne Reflet de Lune. Quel message vous devez recevoir aujourd'hui? Je vous propose un tirage en deux étapes, hein, trois choix, puis un taroscope signe par signe. Vous retrouvez tout en barre de description. Pour le moment, je vous laisse choisir. Choix numéro 1, la citrine. Choix numéro 2, le quartz rose. Choix numéro 3, l'amazonite. Je vous laisse choisir et je vous retrouve juste après pour le tirage. C'est parti avec le choix numéro 1, la citrine. Groupe numéro 1, donc la citrine. Regardons ce que nous dit le tarot d'abord. Quelles énergies là, quel arcane majeur on a pour ce tirage du choix numéro 1 qui va orienter notre tirage. Ok, groupe numéro 1, on me parle de tempérance. On me parle déjà de patience, on me parle de prendre patience par rapport à une situation et aussi de faire du lien. On me parle d'équilibrer les choses aussi. Hein. Alors vous avez peut-être des situations problématiques qui ont du mal à se débloquer. Vous avez peut-être des situations... Qui demande votre capacité à interagir entre les gens. Alors on vous dit, ben, vas-y là, c'est ça, c'est le bon chemin là, fais ça. Le tarot là vous invite à ne jamais oublier que c'est important de garder le lien. Parce qu'une fois que les choses sont cassées, c'est dur de réparer. Donc on me parle de faire du lien et on me parle d'attente, c'est vraiment ce que je reçois. Alors ici. J'ai le valet de feu, donc valet de bâton. Il y a la découverte d'un désir, une nouveauté sur le plan de l'influx physique. J'ai aussi le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est suite à une nouvelle triste. Là, j'ai des nouvelles tristes et dures. On se prend la tête. Hein. 8 d'épée et 3 d'épée, on est quand même dans des énergies assez dures. Voilà, donc effectivement, j'ai des gens qui ont envie de sortir de cette situation-là. Et là, le tarot leur dit, le tarot vous dit, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir, les choses vont se régler. D'accord? Les choses vont se réparer, les choses vont se régler. Il vous faut être patient et il vous faut garder l'idée de faire du bien. C'est vraiment ce que je reçois là. Qu'est-ce que j'ai ici? Vous voyez, alors on est sur la lune fleurie. On en est au moment du bouton. Donc les choses, elles sont en train de bourgeonner là. Elles bourgeonnent. Donc il y a des choses qui sont en train d'avancer dans votre vie. Mais effectivement, on me dit bien qu'on est, on est au niveau du... On est au niveau du... On est à un début, là. On est à un début, vous voyez, on retrouve le 3 avec cet équilibre instable, en fait. Le 3, on n'est pas encore stabilisé. Mais on va vers le 6, qui est 3 et 3, 6, qui lui, va marquer une stabilisation. Simplement, ça va prendre un petit peu de temps. On me parle d'accepter. Il y a des choses à accepter. Peut-être vous traversez une période où les choses vous semblent injustes. Hein. Vous avez envie de couper les ponts avec quelqu'un. Vous avez envie de changer les choses fortement. Et pourtant, on me dit que ça n'est pas ce que l'on vous appelle à faire. Ce ne serait pas le chemin le plus souhaitable. Avec l'idée de l'acceptation,
On me parle de prendre l'autre comme il est, avec des énergies du Verseau, une ouverture en Verseau, quelque chose où on s'ouvre à l'autre, on le prend comme il est, même si ça ne correspond pas à nos attentes. Moi, je suis avec des gens, là, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais des familles dans lesquelles les enfants ou les parents ont fait des choix et qui ne correspondent pas aux uns ou aux autres. Les frères ont fait des choix qui ne correspondent pas et les gens ne sont pas en accord avec eux. Ça peut être votre famille de cœur, ça peut être votre famille de sang. C'est pas obligé que ce soit votre famille uniquement de sang. Ça peut être votre réseau d'amis. Bref, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, il y a dans la communauté, dans votre famille, hein, votre noyau relationnel fort, il y a peut-être là une forme de rupture. Il y a eu peut-être des déceptions, des trahisons. Et vous avez envie que les choses avancent. Mais ce que je reçois en fait, c'est que en coupant, vous vous privez d'une magnifique abondance. Et que peut-être il serait intéressant d'aller explorer l'idée d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et que ce n'est pas le moment en fait de causer une rupture. Que les choses sont en train de se régénérer, mais on est au tout départ effectivement. Et que peut-être en pressant, on pourrait faire pire en fait que ce qu'il y avait au départ. Pour voir. On me parle de nier les faits. Je reconnais ma peur, mais je la remplace avec l'intériorisation de la conscience, avec la connaissance de la conscience. Cette carte, elle me dit que peut-être certains par peur d'aller vers l'autre, hein, par peur d'accepter, par peur peut-être de se perdre en acceptant des choses qu'ils considéraient inacceptables, sont dans une étape de refus, de déni. C'est peut-être vous, mais c'est peut-être aussi les gens que vous avez en face de vous. Alors si c'est vous, on vous invite à vous rendre compte que c'est en fait une énergie qui est le déni comme ça, c'est régi par la peur de se perdre, la peur de ne pas être soi-même. Mais l'oracle ici vous invite aussi à bien prendre conscience du fait que les gens qui nient des faits, des évidences, hein, des choses peut-être qu'ils vous ont fait mal, des accusations injustes, des choses comme ça. En fait, c'est eux qui sont dans la peur. Finalement, leur déni de l'évidence, hein, est régi par la peur qu'ils ont à l'intérieur. Et là, là, on me dit en fait que, on espère que ce message-là va vous aider à être un peu plus dans le lien, en fait, avec les autres, en plus que dans la rupture. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, on vous dit de lâcher prise. Hein. Je peux lâcher mon besoin de contrôler. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Cette carte est là pour vous le rappeler. Vous ne pouvez pas contrôler les pensées des autres. Vous ne pouvez pas contrôler leurs agissements. Ils ont agi en leur âme et conscience. Peut-être qu'ils vous ont nui par là même. Hein. Mais ce qui me semble ressortir ici, c'est qu'ils ne l'ont pas fait à dessein. Ils ont pensé peut-être de façon égoïste, mais ils ne l'ont pas fait pour vous nuire. C'est ce qu'on me dit là. Et même s'ils l'ont fait pour vous nuire, la carte, elle me dit que vous ne, c'est pas que vous n'y pouvez rien, mais c'est que ce que je reçois, c'est, ça va vous rendre tellement malheureux en fait de ressasser, de nourrir de l'animosité, que vous trouverez une paix intérieure davantage dans le lâcher-prise et dans l'acceptation que dans le fait de ressasser, le fait de revenir sans arrêt sur et d'avoir une dent contre quelqu'un. Et on me dit aussi que certains vont nier ce que je suis en train de dire. Que ce n'est pas vrai, que tout va bien. Je vous invite à ouvrir une parenthèse de parole à l'intérieur de vous quand vous y serez disposé. On va voir avec la carte, les cartes de soins, ce qui pourrait vous aider à ouvrir cette parenthèse. C'est vrai que c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Qu'est-ce que j'ai ici?
ici. On vous dit de ne rien faire, de rester calme et de vous connecter avec le feu. Alors le feu, ça peut être tout simplement une bougie dont on regarde la flamme bouger. Ça peut aussi être hein, tout ce qui est lié autour du feu, avec beaucoup de prudence, hein, surtout en ce moment avec, si vous êtes en Europe, en France en particulier, là, on est dans une grosse période de sécheresse, donc on fait très attention avec le feu. Mais j'ai aussi tout ce qui va être les rituels, j'écris un message, je le détruis par le feu, pour essayer de neutraliser ça, pour essayer de nettoyer, de purifier, de... Donc je vais avoir tout ça. Je peux aussi avoir les rituels de magie avec les bougies, si ça vous intéresse aussi. Et en tout cas, on me dit qu'il n'y a rien à faire. Et donc c'est bien, ça revient en partie sur la carte de la tempérance, hein, qui nous disait, prends patience. Les choses, elles vont se débloquer. On ne vous parle pas d'agir. Ici, on vous parle de nouveaux désirs, de nouvelles envies. Ça, c'est vrai que vous avez l'envie d'avancer dans la situation telle qu'elle est. Vous avez envie que les choses elles évoluent. Peut-être avec une situation plus tranchée. Ça, c'est pas impossible. Néanmoins, ici, le tirage vous dit d'être très philosophe, en fait. Hein. C'est ce que je reçois, là. Hein, lâche prise, accepte, hein. Ne nie pas, ne bouge pas. On vous demande d'être très calme. Et je peux comprendre que pour certains, ça va être... Ça peut être... Ça peut être un enjeu, un défi, là. Je voudrais tirer une carte de l'oracle, hein, de la sorcière. Oui, regardez comme c'est beau ce qui vient de sortir. La jonquille, l'espoir. J'ai de nouveau des énergies de l'air. Voyez, on retrouve les énergies de l'air ici. Avec les énergies de l'ancrage du taureau aussi. Donc c'est le mental qui va se calmer, c'est le mental qui s'apaise, hein, qui devient terre à terre, qui s'ancre dans la matière, hein, avec un espoir, l'espoir que les choses s'améliorent. Gardez espoir, ça c'est vraiment clair, gardez espoir. Hop. Le bonheur arrive, regardez. Le bonheur arrive. J'ai les énergies du feu. Feu en gémeaux. Ok, et là, voyez, on revient sur... Voilà, vous avez envie de bonheur, effectivement. Ça ressort dans l'oracle. Je vais continuer avec les portes de l'illusion. Qu'est-ce qu'on a de l'illusion? Les portes. Ah, le lapsus. Les portes de l'intuition. Regardez ce qui a sauté. Le plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Pour moi, ce que me dit cette carte-là, c'est que vous avez peut-être une habitude familiale, je ne sais pas ce que je reçois, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Une habitude de « Ah, il m'a fait ça, tu vas voir. » Vous pensez à la prochaine fois où vous pourriez lui rendre la monnaie de sa pièce à cette personne. Je suis vraiment avec ça. Et là, on vous invite à faire différemment, quelque chose qui va peut-être vous déstabiliser. Quelque chose qui va vous déstabiliser. Pourtant, on vous dit d'y aller. Osez être différent, différente. Osez faire autrement. Osez explorer une facette inexplorée de vous-même. C'est ça que je reçois. Osez faire des choses que vous n'avez jamais faites. Peut-être que vous êtes hyperactive, on vous dit « bouge plus là, fais ». Peut-être que vous ne vous connectez pas, peut-être que vous n'avez jamais fait des choses avec des bougies. On vous dit ben, « va explorer ». Va explorer pour voir ce qu'il en sort. Et on vous parle de vous connecter à votre ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. J'ai le sentiment aussi que c'est un tirage qui vous invite à vous faire confiance, hein, à vous appuyer sur votre intuition. C'est vraiment ça que je reçois aussi, hein. Terre, mère, sacrée, message d'amour. On vous envoie, l'univers vous envoie de l'amour là. Le message que je vous envoie, je suis pas l'univers, hein, mais je canalise. Le message qui est envoyé aujourd'hui pour vous, hein, groupe
un peu un, la citrine, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, l'amour est là. L'amour inconditionnel de l'univers est avec vous pour vous aider sur votre chemin. Il y a quelque chose de très unifié là. J'ai quelque chose de très unifié. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Ben oui, c'est très clair. La moindre résistance, en fait, ça coûte hein, de détester l'autre hein, et de penser à comment on va pouvoir se venger de lui ou d'elle. Ça coûte. Ça va peut-être pas parler à tout le monde ce que je suis en train de raconter, mais je suis complètement dans ce tirage-là. Ça vous coûte, il y a quelque chose qui vous coûte là, et vous allez pouvoir en sortir en fait, parce que la roue de la vie, elle est là, elle s'exprime, et ça sera facile, ça sera facile. Et on me parle de régénération, vous voyez, vous allez retrouver, vous allez vous ressourcer, hein, j'ai des énergies de Pluton là. Nouvelle vie, régénération, vous allez vers quelque chose de magnifique, hein, quelque chose de nouveau et de beau. Alors, c'est peut-être pas de la vengeance, hein, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait mal et qui vous empêche d'avancer. Voilà. Ça, c'est sûr. Quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et qui vous bloque. Ici. Il y a des vérités, peut-être, qui vont devoir être énoncées. Hein. Peut-être des choses qui vont... Peut-être qu'il y a des prises de conscience aussi, on est sur la carte du jugement avec des équilibres, aussi des énergies équilibrantes. Hein. On retrouve un petit peu les énergies en partie de la tempérance. On me parle ici de personnes qui vont avoir comme une révélation, peut-être à la lecture de ce tirage, ou bien des choses qui vont vous arriver. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, hein, qui vont vous éclairer, pas vous choquer, vous éclairer, vous informer. J'ai ici la carte du chakra du plexus solaire. Votre créativité, là, votre enfant intérieur a besoin de s'exprimer. Et on vous invite à attendre votre heure. Vous voyez, on vous parle encore d'être patient. Les choses arrivent, hein. Il faut être patient. Regardons sur le plan sentimental. Qu'est-ce que j'ai ? Oui, il y aura une... Mais c'est magnifique, il y aura même une réconciliation en fait. Vous voyez, ça c'est la tempérance. On remet du lien. On remet du lien avec cet autre que vous avez perdu de vue, dont vous vous êtes éloigné. Ça peut être des situations anciennes aussi. Hein. Ce n'est pas forcément des choses très récentes. Hein. Ça peut être des choses très très anciennes. Et vous avez cru à quelque chose. On vous a fait croire. Peut-être quelqu'un vous a manipulé, vous a dit « Ah ouais, mais non, mais tu as vu ce qu'il a fait, non mais... » C'est inacceptable. Enfin, vous n'aviez peut-être pas même une perception objective de ce qui s'est passé ici. C'est ce que je reçois ici. Hein. On me parle de communiquer. Il y a de la communication sincère à mettre en place. Hein. Communication sincère à mettre en place. En parlant, vous allez pouvoir régler les choses. Ça peut être parler avec quelqu'un qui va vous aider, un thérapeute, mais ça peut être aussi à parler avec l'autre pour se réconcilier. J'ai sorti la carte, une carte blanche en fait de l'oracle des archétypes. Soyez qui vous voulez être. Soyez qui vous voulez être. Vous avez le droit d'être qui vous voulez être en fait, hein. Je reviens sur ici le déni qu'on avait. Soyez qui vous voulez être. Il n'y a rien d'obligé. D'accord? Ni dans ce tirage. Il n'y a rien d'obligatoire. Hein. Je le dis souvent dans mes différents tirages. Vous êtes libre de choisir le chemin que le tarot et les oracles vous indiquent. Hein. Ce sont des chemins possibles. Mais en tout cas, ici, on a une invitation, en tout cas. On a une invitation. Et on me parle du saboteur. Alors, le saboteur, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui mine tout, qui fausse les dés, hein, qui pipe les dés, qui fausse les messages, qui communique mal pour essayer de faire pourrir les situations. Donc, cette carte, elle vous invite à deux choses. À aller voir autour de vous et peut-être à mettre à distance ces gens qui vous voyez, on me parle de... qui met en avant le saboteur, il met en avant votre peur d'être... d'avoir votre propre pouvoir en fait,
Hein, si vous avez le choix d'être vous-même, eh bien, ça va vous donner du pouvoir et ça va vous donner la force de changer les choses qui ne vont pas dans votre vie, en fait, et que vous avez envie de voir améliorer. On est sur cet illusionniste-là, hein, je pense que ça ressort. J'ai des gens qui sont mal entourés, hein. Donc il y a vraiment à aller explorer ça. Soyez qui vous voulez être. Ça peut aussi être vous-même, aussi, par vos peurs. On avait tout à l'heure la carte du déni. J'ai peut-être des gens qui font preuve de déni par peur de voir les choses en face, parce que c'est dur de voir la vérité en face. J'ai... Oula. Je vais tout prendre. J'ai des gens qui vont peut-être saboter eux-mêmes leur bonheur. Hein. Ça, c'est pas impossible. Vous prenez... Si ça vous parle et comme ça vous parle, vous le recevez comme vous le sentez. Sur l'oracle bleu, qu'est-ce que j'ai? J'ai les études. J'ai peut-être des jeunes dans les personnes à qui ça s'adresse. Un jeune homme, un jeune étudiant. J'ai peut-être un jeune étudiant, une jeune étudiante également. Peut-être un signe d'air. J'ai de nouveau la carte de l'illusion. J'ai peut-être des gens qui sont... Et on me parle de mariage céleste. On me parle de grand amour. Pour moi, il y a un appui à aller chercher du côté de votre conjoint ou d'un amoureux, quelqu'un qui vous soutient, dont vous êtes sur qui vous pouvez vous appuyer. Mais j'ai aussi ici quelqu'un qui est savant, plutôt jeune, qui est peut-être cette personne, ou bien c'est vous qui avez besoin de soutien. Je vois des énergies mentales, une nouvelle façon d'aborder les choses, hein, énergie de l'air, ou bien quelqu'un donc qui est du signe de la balance, verso, gémeaux, qui vient ou vous aider, ou bien ce sont des énergies qui mentalement vous aident en fait à avancer, à concevoir les choses d'une manière différente en fait. Je reçois ça. On vous dit aussi que par les livres, vous pourriez avoir des solutions. Il y a peut-être des lectures qui pourraient vous intéresser pour comprendre un petit peu ce qui se passe autour de vous. Pour mieux communiquer. J'ai presque terminé le tirage, je crois. Hop là. Oh oui, regardez, on me tire ça. Je l'ai déjà eu il n'y a pas très longtemps sur un tirage. Alors, on me parle de donner la priorité à votre santé. Prenez soin de vous là. Et autorisez-vous à recevoir. Ce sont deux cartes que j'ai déjà sorties sur des tirages des énergies de la semaine. Autorisez-vous à recevoir. J'ai des gens qui n'osent pas accéder à leur bonheur et à être aimés ou à s'aimer eux-mêmes. Ils sont dans la privation constante, dans les limitations, peut-être dans l'idée que c'est comme ça qu'on peut se réaliser. Or, cette carte, elle vous dit, mais vous avez droit à l'abondance, en fait, hein, comme les autres. Donc, il ne faut pas s'en priver. Hein. Et j'ai aussi, de façon très importante, alors je reçois un message important, sur donner la priorité à votre santé. Ne vous abîmez pas en mettant trop d'importance sur des choses qui ne vous concernent pas, qui appartiennent à l'autre en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous avez autour de vous un saboteur là, qui vous casse le moral, on vous dit prenez bien soin de vous d'abord. Ne vous laissez pas embarquer dans ces horreurs, c'est le mot qui arrive. Je suis désolée pour ce mot, mais... J'ai des gens qui sont très négatifs hein, pour certaines personnes. Ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais je reçois vraiment prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, s'il vous plaît. Hein. Je termine avec un message des fleurs. Qu'est-ce qu'on a comme message des fleurs? Le fuchsia. True feelings, les vrais sentiments. Within you is all you need to know. Vous avez tout ce que vous devez savoir en vous, bien sûr. On en revient, c'était où? L'intuition, j'en ai parlé tout à l'heure là. Vous savez en fait ce qui est bon pour vous. Écoutez-vous, prenez soin de vous, faites-vous confiance, d'accord? Et les choses, elles s'amélioreront. Les choses, elles iront bien parce que vous saurez quelle est votre voie. Il vous faut vous écouter, vous... Et vous avez le droit d'être qui vous êtes. Ce que vous ressentez, c'est vrai. D'accord? Ça a une valeur... Ça a une valeur inquantifiable, immesurable en fait. Hein. C'est vous d'abord. Vous d'abord. J'ai des gens qui ont beaucoup donné aussi. Hein, pour faire que les choses marchent.
Et ça n'a pas forcément payé, vous voyez. Ben, c'est pas grave. Vous commencez par prendre soin de vous. Vous commencez par vous écouter et les choses iront mieux. Les choses iront mieux. Voilà, j'ai terminé le tirage. Donc c'était le tirage pour le choix numéro 1, le groupe numéro 1, la citrine. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Je vous invite maintenant à aller voir en dessous la personnalisation, le tirage personnalisé qui correspond à votre signe solaire, lunaire et votre ascendant. Voilà, tout est en dessous. À tout de suite, bye bye. Allez, on y va pour le groupe numéro 2, le quartz rose. Quartz rose, quel est le message du tarot de Marseille, des arcanes majeures du tarot de Marseille? On me parle d'évolution, on me parle de route fortune, d'amélioration des choses. Donc j'ai peut-être des gens là qui sont dans des situations qui sont un peu difficiles, qui attendent que les choses bougent et ça peut bouger rapidement. J'ai des énergies d'expansion en lien avec j'ai de l'expansion dans la destinée en fait, hein, clairement. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Le roi de feu. Alors effectivement, on me confirme qu'il y a de l'expansion là. Avec les énergies du Sagittaire. Hein. On a un nouveau départ. Énergie d'Uranus. Uranus et puis changement. Il y a des grandes transformations pour vous qui vont vous apporter une belle abondance. Hein. J'ai des gens là qui vont vers une belle amélioration. Hein. Alors, on me dit qu'il y a des conflits mentaux. Ce sont peut-être des choses qui arrivent après des conflits mentaux. Et on me parle d'expansion ici, les énergies du bélier. Trois de bâtons, magnifique. Hein. On sort des prises de tête. Hein. Pour moi, on repart sur un nouveau chemin. Il y a peut-être des gens qui étaient en crise. Hein. Six de bâtons, j'ai la victoire, vous voyez. Crise 1. Crise mentale, crise au niveau des idées, conflit au niveau des idées, nouveau départ et victoire au bout. Hein. J'ai des belles énergies là, très 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 beau. Hein. Ok, regardons ce que nous dit la lune. Quel message on a? Oui, on me parle de passer à l'action. Donc ça corrobore l'idée que on est sur des énergies de conquête. Hein. Trois de feu, je passe à l'action. Roi de feu, c'est aussi des énergies de vie, énergie de brillance, certes, mais aussi énergie d'action, énergie vitale. On vous dit d'avoir la foi en les choses. Hein. Ça va bien se passer. Votre victoire arrive. Hein. Néanmoins, ça nécessite que vous soyez actif là. Hein. On vous dit de ne pas vous reposer sur vos lauriers. C'est ce que je reçois comme message. Et j'ai de la belle abondance qui arrive, hein, regardez là. J'ai une abondance magnifique qui arrive. Les choses sont en train de germer, sont en train c'est même pas germer en fait, c'est de s'épanouir là. Elles sont en train d'arriver, la floraison arrive en fait, hein. La floraison arrive. Ok. J'ai celle-là qui veut venir. Ouais. En posant le paquet, elle a voulu sauter. Regardez, on me parle de pouvoir. Vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez. Vous avez le pouvoir d'attirer à vous ce que vous voulez attirer à vous. Hein. C'est clair. Pleine lune. Soyez attentif au cycle de la lune aussi. Là, c'est un guidage, une guidance intemporelle. Qui est valable à partir du moment où vous la regardez, mais soyez attentif au cycle de la lune. Puisque la pleine lune pourrait voir arriver à maturité en fait les intentions que vous posez à la nouvelle lune. Je vous invite pour ça à aller voir les taroscopes hein, et aussi les tirages que je fais pour la nouvelle lune, hein, qui vont vous donner des guidances sur les intentions que vous pouvez poser sur cette nouvelle lune. Ok. Pour voir ce que j'ai du côté du soin. Hop là. On me parle de musique.
la musique qui peut vous aider à trouver votre inspiration, à vous faire du bien. Ok, qu'est-ce que j'ai ici? Et affirmation positive, vous voyez, ça reprend, c'est un peu la méthode Coué. Croyez en vous. Croyez en vous. Je crois en moi, j'affirme et j'incarne les choses que j'affirme. Que j'affirme, mais je n'ai pas besoin de les dire à tout le monde. Hein. Je les incarne. Je les ai en moi. Et en les incarnant, en fait, elles vont s'imposer aux autres. Mais ce n'est pas trop un problème. Hein. Vous avez cette puissance. Vous avez beaucoup d'énergie de feu, là. Hein, ceux qui ont choisi cette pierre. Alors, c'est surprenant parce que la pierre... Que j'ai proposé pour ce tirage, c'est une pierre de douceur et là je vois des choses assez énergiques. C'est très intéressant. J'ai peut-être des gens qui sortent d'une crise hein, aussi. J'ai peut-être des gens qui sont sortis d'une rupture, qui ont retrouvé de l'énergie là hein, et qui vont. Et c'est confirmé. Il y a une belle énergie pour que les choses s'améliorent. Hein, il n'y a pas de souci. Alors regardons sur le plan sentimental justement. Tiens. Est-ce qu'on peut avoir des messages? Hop. Oui, j'ai des gens qui se sont sentis négligés et oubliés. Mais on me dit qu'il y a des choses concrètes qui se passent. Alors, ça peut être, ici c'est un oracle pour l'amour, mais ça peut aussi parler professionnellement ou au niveau familial aussi. Hein. On se sent exclu, on s'est senti exclu. Mais la roue tourne, les choses s'améliorent. Et les choses s'améliorent de façon concrète. Elles vont s'améliorer dans la matière. Vous voyez, on a ici quand même une carte qui, pour moi, évoque l'impératrice. Avec 3 et 1, 4, on a une affirmation, une concrétisation. Alors, 4, c'est l'empereur, mais on a quand même la stabilisation. Hein. Le chiffre 4, c'est stabilisation. Ici, j'ai la fertilité complète. Hein. Cette femme qui porte la terre en elle. D'accord, donc on vous demande d'avoir foi en vos énergies pour aller vers votre abondance. Hein. Et ça se concrétise. Pour moi, c'est ça. Alors, c'est votre abondance qui se concrétise, mais aussi ça peut très bien être hein, la rencontre de l'âme sœur, hein, ici. Ici. Et on me parle de libération. J'ai des gens qui sont dans une phase d'expansion, qui se libèrent. Qui se libère de relations toxiques sentimentalement. Hein. J'ai des gens qui sortent de relations qui n'étaient pas fructueuses. Hein. Ouais. Qui avaient peut-être du mal à se sortir de relations dont ils n'arrivaient pas à se sortir. Je pense à des relations avec des pervers narcissiques en particulier. On me parle de fragilité. Ouais. Cet oubli, ce fait, alors, si je suis encore avec cette situation là de pervers narcissique, je suis avec cette négligence que l'autre vous a apportée, ça peut vous avoir fragilisé. Mais tout le début du tirage me dit, il n'y a pas de souci. Hein. Vous avez beaucoup de puissance en fait. Mais effectivement, si à longueur de temps on vous dénigre, on vous descend, ben, c'est normal à un moment d'être abîmé. Mais vous êtes sur un renouveau. Pour moi, là j'ai un vrai renouveau. Hein. Et c'est très concret et ça vous soulage et ça vous libère. Pour voir au niveau des archétypes, qu'est-ce que j'ai qui sort, justement. Ici, l'hédoniste. Il inspire l'énergie créatrice pour prendre les bonnes choses de la vie. Et il célèbre la beauté en elle-même. On vous dit de prendre... De profiter de la vie tout simplement hein, sans trop vous poser de questions. Ça c'est un autre point intéressant. J'ai l'attribut, l'archétype du roi aussi. Un leadership bienveillant et éclairé. On vous demande de devenir ce roi. Hein. On vous demande de devenir ce roi. Faites-vous plaisir, ça n'est pas difficile. Elle a une grâce, une aisance, cette reine-là, elle est magnifique. Hein. Elle a le pouvoir avec la pleine lune, hein. C'est pas dur en fait, ça ne doit pas vous faire forcer. Les énergies de l'univers sont avec vous là. Hein. J'ai Uranus et Jupiter
qui vous aide à être dans l'expansion et la transformation des choses. Hein. Là, on a de la libération. Regardez comme elle est libre, hein, cette femme-là. Elle agit, mais en fait, elle est libre. Donc vous êtes libre de profiter de la vie comme bon vous semble et d'être ce leader, si ça vous interpelle, hein, vous prenez, d'être ce leader bienveillant qui vous est proposé dans ce tirage. Je regarde maintenant l'oracle de la sorcière. On me reparle d'énergie, vous voyez. Alors c'est une énergie mise au service d'un côté très pratique, hein, puisqu'on a des énergies de la Vierge. Et on a aussi le chaudron avec l'énergie de l'eau. Donc on a une énergie qui crée, qui génère quelque chose de déjà sur le plan intuitif, mais de très pratique aussi. Hein. J'ai comme un réceptacle de l'énergie ici. On est vraiment dans l'action pour moi. Et j'ai aussi l'abondance, hein, le raisin, avec de nouveau le principe de l'eau, avec le principe hein, de... Enfin, les énergies du Sagittaire, donc par analogie, les énergies de la fortune. On se retrouve avec la récolte. Il y a peut-être des choses qui vont se débloquer aussi, je pense, pour vous, au moment où le soleil entrera en vierge. Ça n'est pas indiqué mais dans la carte, mais le raisin, c'est le moment de... Voilà, septembre, c'est le moment de la récolte, hein, récolte du raisin. J'ai vraiment ça. Ça peut aussi être un petit peu plus tard dans l'année, fin octobre, novembre... Pardon, fin novembre, décembre pour le Sagittaire. Hop là. On me parle de faire du nettoyage. Il y a des choses à nettoyer. Alors ça peut être avec la bougie, ça peut être avec des huiles essentielles, notamment du citron. Il y a des purifications à faire, peut-être par des rituels aussi, des mantras. Énergie de communication aussi du Gémeaux. On a de nouveau le principe de l'eau. Hein. Je pense qu'il y a une indication là aussi qu'on est sûr de l'intuition. Vous savez ce qu'il y a à faire. Vous savez ce qu'il y a à faire. Vous savez quoi intérieurement, vous savez comment. Vous savez comment agir. Vous savez comment agir. Ouais. Vous avez une capacité à mettre concrètement en action les énergies, voyez. On a les énergies de la Terre. Hein. Vous avez les pieds sur Terre. Hein. Vous avez les pieds sur Terre, c'est ce que me dit le tirage. Vous savez ce qu'il faut faire. Il y a de grands changements qui arrivent. Hein. On a de nouveau le principe de l'eau, l'eau qui coule sous le pont, le poisson qui symbolise l'eau. Donc l'intuition, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez comment les choses peuvent changer et... Elle, effectivement, cette carte nous confirme qu'elles vont changer. Il y a des belles améliorations. Et pour certains, vous allez partir vers un chemin qui vous est peut-être non familier. On repart sur un nouveau chemin. On va voir ce que nous dit l'oracle des portes de l'intuition. Oula, ça passe par-dessous, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte ici? La famille et la cohérence. Alors, voyez, on me reparle de s'aligner. On avait des énergies un petit peu comme ça, le nettoyage, la cohérence, je m'aligne, je travaille sur mes chakras, peut-être par un travail de yoga. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. J'ai un travail de spiritualité à faire comme ça, le chakra du cœur avec le quartz rose. Chakra du cœur, il y a peut-être des choses à aller travailler sur le chakra du cœur. On me parle de la famille aussi, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. J'ai peut-être des gens qui sont sortis d'une histoire pas forcément évidente. Hein. J'avais ici cette histoire-là de... Je ne sais plus à quel moment je vous ai dit en fait qu'il y avait peut-être des relations difficiles avec la libération. Négligence, j'ai ressenti ça. C'est peut-être un partenaire, mais c'est aussi peut-être un parent hein, qui vous a fait croire que vous étiez une mauvaise personne. Hein, qui vous a tenu un petit peu la tête juste, pas sous l'eau, mais juste en dessous pour pas que vous le dépassiez peut-être. Hein. C'est vraiment ce que je reçois pour certains.
J'ai ça, donc appuyez-vous sur cette expérience-là parce qu'elle va vous aider à vous élever en fait au final. Et j'ai aussi des gens qui peuvent s'appuyer sur la sagesse de leur famille, hein. Tout simplement, les ancêtres. Ça peut aussi être les ancêtres, les défunts, nos âmes chères qui sont partis, qui vous apportaient du positif et qui sont partis. Pour moi, c'est une invitation sur un plan très spirituel à vous connecter à ces personnes-là, en particulier avec des rituels de bougies. C'est vraiment ce que je reçois là. Ok, on vous dit ça, c'est pas pour toi. Ça, pour moi, c'est un message du passé. Ça, c'est ce qu'on vous a tout le temps dit. Ça, c'est pas pour toi. Non, mais tu veux faire ce métier dans la vie? Non, mais c'est pas pour toi. Tu veux acheter tel truc? Non, mais regarde-toi. Tu crois que tu es la personne? Non. Tous ces messages négatifs que vous avez pu recevoir, on vous dit... Presse une orange dessus. Je ne sais pas si ça vous parle en fait. Juste, mets-y du quelque chose qui va piquer là, qui va enlever, vous savez. Laisse tomber. Laisse tomber, c'est ça que je reçois. Lâche. Lâchez. Lâchez. Suivez votre propre... By the book. Suivez votre propre guidance. Voilà ce qu'on me dit. Suivez votre propre guidance. Faites-vous confiance. Vous risquez d'avoir des nouvelles positives. Alors, c'est peut-être cette guidance où vous allez avoir des messages qui vont vous arriver concernant la situation qui est en train de s'améliorer. Allez, hop. Je peux avoir un message des pierres. Chrysocolle. On vous parle de nouveau départ. Un nouveau départ. On recommence à zéro. C'est confirmé, hein. J'ai certaines personnes qui recommencent à zéro certaines choses. Ouais. C'est très bien. Hein. C'est très très bien. Bon, j'ai de nouveau la chrysoprase. Elle veut sortir celle-là. On me redemande de vous dire... Acceptez l'abondance pour vous, acceptez de recevoir, acceptez qu'on vous aime. Vous méritez l'amour des autres, vous méritez la générosité des autres. Acceptez-le, vous n'avez aucune obligation de vous sacrifier de façon permanente en fait. Il n'y a rien qui vous oblige à faire ça. Hein. Vous prenez si ça vous parle. Je prends un message des fleurs maintenant. Comment ça s'appelle ça? Le câlin. Le. Ça, non, je ne sais plus. Je crois que c'est câlin, oui. C'est blanc. On me parle de rejuvenation. C'est la. Le fait de se régénérer, mais un rajeunissement, en fait. Voilà, c'est un rajeunissement. On vous dit de vous réveiller à nouveau et d'être plus fort, plus forte. Là, j'ai des gens qui vont tout exploser. Hein. C'est vraiment ce que je reçois. J'ai des gens qui vont gagner en sérénité, qui vont rajeunir dans leur esprit parce qu'ils vont s'enlever un fardeau qu'ils avaient. Hein. Ils vont prendre les choses de façon beaucoup plus terre à terre, mais aussi de façon plus... C'est très marrant parce qu'ils vont... Je veux dire, on va appeler un chat, quoi, avec les idées, le principe de terre, on va bien voir, en fait, ce qui se passe. Il y aura plus de lucidité, de praticité. Vous allez prendre conscience de certaines choses et en même temps, vous allez aussi comprendre que vous avez le droit de profiter de la vie. Hein. Vous avez le droit d'être un leader si vous aimez ça, si c'est ce qui vous appelle. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de beau qui est en train de fleurir. Vous avez la puissance pour y arriver. Vous pouvez vous appuyer sur vos acquis pour avancer. Allez-y, hein. Groupe 2, c'est super. Écoutez, voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Je vous invite simplement à aller personnaliser le tirage. Un petit peu plus dans les détails avec le tirage signe par signe. Vous avez toutes les indications sous la vidéo. Je vous retrouve très vite. Allez, bye bye.
Allez, on y va avec le groupe numéro 3, le groupe de l'Amazonite. Voyons voir quel message les arcanes majeures du tarot de Marseille ont à nous donner déjà pour vous. Groupe numéro 3. Oh, super. L'impératrice, on me parle d'abondance, de projets qui germent, de fertilité. C'est super ça. Alors, on va voir ce que nous donne le reste du tirage. Hein, mais l'Amazonite, c'est une pierre d'abondance. C'est une pierre que j'utilise pour les tirages professionnels, pour les soutenir, pour les porter. C'est une pierre qui nous parle de réussite et d'abondance sur le plan professionnel. Là, j'ai le sentiment qu'on est en plein dans ça. On n'est pas obligé d'être sur le professionnel. Ça peut aussi être des unions, des choses sur le plan sentimental. Hein, je peux avoir ça aussi. En tout cas, j'ai de la fertilité, j'ai des choses qui germent de façon très satisfaisante. Hein. C'est très très beau. Très très beau. J'ai aussi de l'autorité maternelle bienveillante. Hein. Je ne sais pas si ça va vous parler. Alors, pour voir la suite. Qu'est-ce que j'ai ici ? Ouais, bah oui, hein, oui, oui. Soleil en Vierge, waouh, j'ai de nouveau le roi de feu, super. J'ai des énergies ultra positives, hein, des choses qui se concrétisent dans la matière, des projets. Votre travail porte ses fruits, c'est un travail bien fait. Alors, travail, projet, sentimental, on n'est pas forcément, je suis très sur le travail, mais c'est pas forcé que ce soit sur le travail. J'ai des choses qui se concrétisent. Vos efforts, tout ce que vous avez fait pour arriver à votre abondance, on me dit que ça paye. C'est peut-être déjà en train de se passer. Hein. Ouais. Qu'est-ce que je dis là? Je vous laisse apprécier. On me confirme qu'il y a de la fertilité. Hein. J'ai peut-être des gens qui vont aussi... pour certains, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai des enfants qui naissent hein, au plan sur le plan concret et sur le plan figuré. Hein, voilà. J'ai une expression émotionnelle ici avec le valet d'eau. Alors je peux avoir un message hein, qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Peut-être que c'est ce message-là. Mais j'ai aussi quelqu'un qui va parler avec son cœur. Hein. Donc j'ai à la fois des énergies, et on est avec l'impératrice, hein, l'impératrice c'est la Terre bien sûr, c'est Vénus, c'est Taureau, mais c'est aussi la sensibilité féminine aussi, l'empathie, j'ai ça aussi, l'amour de l'autre, hein, d'accord? Alors c'est peut-être vous l'impératrice, hein, même si vous êtes un homme, ça peut être vous, c'est-à-dire cette personne altruiste qui fait naître les projets, c'est pas, ça peut être ça, tout à fait. Ça peut être aussi simplement les énergies globalement dans la situation. Vous avez aussi autour de vous des énergies de feu, énergie du Sagittaire. Alors c'est peut-être une personne d'un signe de feu, plus probablement un Sagittaire, mais c'est pas exclu que ce soit d'autres signes de feu, Lion et Bélier, qui vous soutiennent dans vos projets là. Qui vont les amener à se concrétiser. Il y a un grand bonheur qui arrive. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Qu'est-ce que je vais tirer? Comment? Je vais commencer par quoi? Ici. Pour voir. L'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'il nous dit? Hop. Des émotions du passé refont surface. Ok. Voix secrète, mariage de l'esprit et de la matière. D'accord. On est peut-être là, hein, sur cette union entre des énergies très spirituelles, très émotionnelles. Hein. J'ai aussi Neptune qui est là, qui s'exprime hein, quand même hein, avec l'eau. C'est donc l'intuition, l'esprit et la matière. Hmm. Avec le Sagittaire aussi, j'ai la spiritualité. Hein. Donc, c'est vraiment, ça se...
J'ai des gens là qui vont se retrouver dans leur ce que j'appelle la complétude, hein. C'est qu'ils vont se retrouver dans leur intégrité de A jusqu'à Z. Alors vous mettez du chakra racine au chakra couronne si vous voulez, le yin et le yang, vous le mettez comme vous y mettez les mots que vous souhaitez, mais vous aurez une sensation de plénitude là. Hein. J'ai une sensation de plénitude chez certains. Alors j'ai aussi des émotions passées qui refont surface. Est-ce qu'on vous apporte des nouvelles du passé? Bon, pour moi, ce ne sont pas de mauvaises nouvelles, hein, c'est juste des nouvelles qui viennent d'avant et qui arrivent. Voilà. Pour moi, c'est juste ça. Hop, voilà, ça saute direct. Alors, j'ai peut-être, ouais, pour certains, je vais avoir un ancien amoureux qui donne des nouvelles, hein. Et j'ai de nouveau les énergies du taureau, arcane majeur, le hiérophante, on me parle de sagesse. C'est un tirage très très beau, très très fort pour vous. Je reçois des énergies très positives là, hein. Vous allez trouver des solutions. Vous savez comment faire. J'en ai le... J'en ai des nœuds dans la poitrine. Tout va bien. Tout va très très bien. Tout va aller bien. Tout va aller bien. Vous avez une abondance infinie qui arrive. Hein. Abondance infinie. C'est la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà ce qu'on me dit ici. Donc effectivement, il y a peut-être des souvenirs du passé qui reviennent. On vous dit lâchez. Lâchez, ça n'a plus d'importance. Votre avenir, il est là. Votre avenir, c'est la concrétisation des projets. On me parle de faire un grand saut dans le vide devant soi. Plongeons, courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Et on me parle aussi de la logique que je mets d'une certaine façon en opposition avec la sagesse. Je vous dis pourquoi. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc ça, moi, je le reçois comme un message qui vous dit, peut-être, parfois, si vous avez une difficulté, pour moi, ça n'est pas directement en lien immédiat avec tout ce que j'ai pu vous dire là. Mais si vous êtes face à une difficulté, on vous dit là, pour le coup, de lâcher le mental. Mais effectivement, hein, si en fait, c'est pas incompatible parce qu'on est sur on est sur des choses comment dire? On vous invite à peut-être à aller dans l'irrationnel, l'émotionnel, quoi. Alors on n'est pas sur le terre à terre, puisqu'on est sur de l'irrationnel. Mais c'est bien ça, c'est l'union entre l'esprit et la matière. C'est comment vous arrivez à jongler entre ce que vous savez, vos connaissances, votre ressenti. Enfin, voilà, vous avez toutes les cordes à votre arc pour jongler avec les situations, en fait. C'est ce que me dit cette carte, en fait. Comme elle est positionnée, là, elle me parle d'une très grande puissance, hein, pour ceux qui ont choisi l'Amazonite, hein, que vous ne soupçonnez peut-être pas. Hein. À chaque situation, vous trouvez la solution. C'est ce que ça me dit. Vous savez générer de l'abondance. Hein, et quand parfois il y a des situations bloquées, vous savez aussi faire appel à d'autres outils. Hein. Vous savez faire appel à votre intuition quand c'est nécessaire. Que me dit l'oracle bleu? Waouh. Ok. Alors, l'oracle bleu, il me parle d'amour, il me parle de sérénité. Oh, il me parle de convoitise, hein, de désir fort. Alors, j'ai des gens qui vont... Alors là, on est sur vraiment quelque chose de très... On est vraiment sur le plan sentimental, là, pour moi. J'ai peut-être des gens qui vont... C'est pas exclu que ce soit pas que sur le plan sentimental. Je prends l'oracle du grand amour pour détailler. J'ai des gens qui vont être dans du désir très très fort là, hein, très très charnel. Hein. J'ai des gens qui pourraient être dans une union qui est spirituelle et physique, hein, ici.
À la suite d'une rupture, vous trouvez un nouveau compagnon, une nouvelle compagne qui vous va comme un gant sur tous les plans. Union de l'esprit, de la matière, physique. Le physique, ça roule à fond les ballons et on s'entend super bien. C'est ce que je reçois. C'est confirmé par la carte de l'amour et ça vous apporte beaucoup de sérénité dans votre vie et de la fertilité. Donc, j'ai des choses comme ça. La fertilité, ça peut être, effectivement, je le disais tout à l'heure, un enfant. Ça peut aussi être des projets communs, des choses qui se concrétisent à deux. Si on se place sur le plan un peu plus professionnel, je disais que l'amazonite, moi je l'associe énormément avec le professionnel. On est sur des gens peut-être qui vous jalousent hein, parce que vous avez une position qui est désirable. Effectivement, hein, ils aimeraient bien être à votre place. Hein. Néanmoins, vous savez faire, comment dire, ne pas faire cas en fait de ces gens qui vous entourent. Et donc, vous gardez vos pieds sur terre et votre sérénité. Hein. Ça ne vous encombre pas plus que ça. Si je repars sur le plan sentimental, qu'est-ce que j'ai? Ben oui, vous voyez, j'ai un coup de foudre là qui arrive. J'ai un coup de foudre. Et on me parle de souplesse. Votre flexibilité, en fait, elle vous aide à faire face aux difficultés. Et c'est un coup de foudre. Alors, c'est un coup de foudre qui va durer. J'allais dire, mes chéris, je suis trop contente pour vous si vous avez choisi l'amazonite, hein, là c'est vraiment super. Hein. On m'annonce quelque chose de très très beau. Hein. J'ai des coups de foudre hein, qui vont durer. Donc bon, ben, vous avez compris quoi. Après une traversée du désert, pour certains, on a un regain et on a des promesses. D'accord? J'ai de très très belles choses qui arrivent hein, sur le plan purement sentimental pour ceux qui sont concernés. Si on est déjà en couple hein, ou qu'on ne cherche pas, on est bien aussi. On est bien aussi. On est bien dans sa peau. On va se retrouver. Comment dire, on va se stabiliser, on va se tranquilliser. Hein, il n'y a pas de souci. On sort de sa position de martyr ou on sort de la position, on sort de. De la compagnie des gens qui se font passer pour martyrs. Hein. D'accord? On apprend la nature transcendante aussi de se rendre service ou de servir une cause. Ça, c'est très intéressant aussi. Hein. J'ai des gens là qui vont oser aller vers une abondance pour les autres, hein, pour le collectif. J'ai des gens qui vont faire avancer les choses. Alors, l'archétype du martyr, du coup, c'est un peu, ça semble un peu inapproprié parce que c'est celui qui va jouer collectif, qui va aider en fait, qui va se battre pour une cause, hein, avec succès, avec réussite, hein, pour aider l'autre. Hein. J'ai de nouveau des idées qui, un archétype qui s'associe, hein, qui est en lien là. J'ai le mentor qui transmet la sagesse. Hein. Et qui permet à l'étudiant de d'affiner son caractère. Très très intéressant. Hop là, bah, ça va sauter comme ça. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette carte? Vous êtes béni. Bah, effectivement, là, si vous n'êtes pas béni avec un tirage pareil, oui, vous êtes béni. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes béni là et puis vous êtes protégé hein, par les ancêtres, par l'univers. Vous êtes protégé. Je vais prendre une carte de l'oracle de la sorcière. Superbe tirage. Hein. Très très belles énergies. Ici, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on me parle d'abondance. On me parle d'abondance de récolte. Hein. Et on me parle de tranquillité de nouveau. On me confirme que vous allez avoir accès à une grande sérénité, une grande tranquillité. Hein. Vous êtes vraiment protégé. Hein. Je reçois ça. C'est vraiment magnifique. Hein. Ouais, sérénité, protection. Super. Est-ce que je peux avoir un conseil? Des pierres, s'il vous plaît. Nous disent les
jolie pierre. Golden Healer Quartz, le quartz guérisseur doré. Ouvrez la porte. Pour certains, on vous dit que il faut oser. Hein, c'est le plongeon. On ouvre la porte et on va vers ce nouveau destin là qui s'ouvre à vous. Hein. Osez ouvrir la porte. Hein. Ouvrez la porte aussi aux belles choses de la vie hein, qui arrivent. Hein. Regardez. Embrace change. Acceptez. Accueillez le changement. C'est le quartz fantôme. Accueillez le changement. On vous dit de recevoir ce message béni sans retenue. Vous êtes un être, hein, ce que je reçois là, hein, vous êtes un être hein, aux capacités, au potentiel, sans limite. Hein. Vous avez des capacités insoupçonnées. Listen more and quiet be. La belladone, elle nous parle d'être silencieux. Oui, elle me parle de profiter là, profiter de ce message. Écoutez le message. Temperance, faites le lien. Trouvez l'équilibre et soyez centré. Superbe message. Oh. Superbe, ici. Gratitude. Remercier ce qui est bon maintenant. Ben oui. Alors j'ai trois messages là qui viennent conclure ce tirage, hein, qui vous invite à, comment dire, à profiter là dans le silence. Hein. De la beauté de ce message, tout simplement. Centrez-vous pour recevoir. C'est ce que je reçois aussi ici. Profitez de ce message d'abondance hein, qui vous est porté là. Et remerciez l'univers. L'univers qui vous porte, qui vous soutient. Je l'ai déjà dit. Et bien voilà, pour les personnes qui ont choisi l'Amazonite, hein, le choix numéro 3. J'ai terminé le tirage. Je vous invite à aller voir en dessous les tirages astro pour chaque signe. Vous avez tout dans la barre d'infos. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Allez, on continue le tirage pour chaque signe astrologique. Quel message vous devez entendre aujourd'hui? Donc, on va voir par quel signe on commence. On va commencer par les lions. Ok. Donc, les personnes qui ont le soleil en lion, l'ascendant en lion, ainsi que la lune en lion. On y va avec le Lily White Tarot. Donc, trois cartes sur le dessus qui vont me parler de ce qui est visible, hein, des potentialités. De ce que vous donnez à voir au niveau social. De ce qui se joue à la surface, hein, de façon plus générale. Et puis après, je compléterai le tirage avec le Lily Black Tarot pour aller voir un petit peu ce qui se passe en dessous. Ce qui est non dit, ce qui est secret, ce qui est caché, ce qui est dans l'inconscient. Alors, mes lions, ce tirage intemporel, quel message devez-vous entendre aujourd'hui ? D'une énergie de feu retrouvée là. J'ai des gens qui recommencent alors qu'ils sortent d'une période de convalescence peut-être hein,
Qui retrouve un désir. Là, j'ai un désir renouvelé. Il y a peut-être eu des gens qui étaient en pause par rapport à quelque chose, des situations un peu bloquées. Et je vois qu'il y a des solutions qui apparaissent par une énergie renouvelée. Oh là là, super, le monde. Donc on a des gens qui vont vers leur abondance. Hein. On a des choses, on apprend des choses, une expérience de vie qui vous enrichit et une abondance à la clé. Hein. Très très beau. Ok. Et ça passe par une grande intuition, par un grand appel à ses ressentis. Ça passe aussi peut-être par un travail sur le cycle lunaire. Hein. C'est à voir ça. On va regarder ce qui correspond. Oui, on me confirme que des choses se construisent en fait dans une forme de cycle. Hein, j'ai l'idée de cycle avec un équilibre qui se construit, qui est en cours de construction. Là, on n'est pas complet au niveau de l'équilibre. J'ai un travail qui se fait petit à petit et je vous invite à aller surveiller les cycles lunaires. Je vous invite à aller voir mes tirages de nouvelle lune notamment. Et les taroscopes aussi qui renvoient des informations sur des éléments qui concernent la lune. J'ai de l'abondance sur le plan émotionnel ici. Hein. Oui, j'ai des gens qui se réalisent à travers des choses par rapport à un équilibre et à un affermissement sur le plan émotionnel. J'ai des lions là qui ont besoin. Alors peut-être que vous avez besoin d'entendre le message qui est équilibrez-vous, faites-vous du bien. Et vous allez vers votre abondance la plus complète. Ça, c'est vraiment ce que je reçois. Hein. Mais on me dit aussi que vous avez, si vous aviez des situations difficiles, la guérison arrive, le bien-être arrive. Il y a des choses qui vont se régler. Oui, c'est doublement confirmé. J'ai la même carte qui sort là. Donc vous avez une énergie renouvelée, mes lions, très forte. Hein. Très très forte. Hein. D'accord? Un désir renouvelé où vous arrivez mieux à cerner aussi ce que vous voulez dans la vie pour certains, ça peut être ça aussi. Hein, vous arrivez à déterminer ce que au fond de vous vous voulez, plénitude émotionnelle et projets concrets, potentiellement en équipe, des projets qui demandent du travail, de la créativité en rapport avec votre signe, hein, l'enfant intérieur, la maison 5. J'ai tout ça qui se mélange. Hein. De très très belles énergies pour vous, mes lions. Voilà le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Vous avez des potentialités, le feu revient, écoutez le cycle lunaire. Si vous êtes une femme, écoutez aussi votre cycle biologique lunaire, y compris si vous êtes ménopausée. Il y a des choses à aller explorer de ce côté-là, c'est ce que je reçois également. Ce sont des choses qui vont vous amener à avancer sur le plan, sur un plan même, je dirais, philosophique et spirituel ici. Hein. Oui, j'ai ça aussi. Hein. Sur le plan des valeurs, sur le plan de la spiritualité. Eh bien voilà, mes lions, j'ai terminé le tirage. Je vous invite à aller voir les autres tirages qui concernent votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Allez, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Allez, je continue le tirage. Le tirage intemporel pour vous savoir quel message vous devez entendre aujourd'hui, on va tirer le message pour les... Alors, qui c'est qui arrive? Pour les cancers, les natifs. Alors, natifs du cancer, soleil en cancer, donc, ascendant en cancer et lune en cancer. Donc, je commence le tirage avec le Lily White Tarot. Pour regarder un petit peu ce que vous donnez à voir à l'extérieur, ce qui vous arrive à l'extérieur, hein, dans la société, ce qui est visible, hein, mais aussi les potentialités dans la vie extérieure. Ok, les cancers. Et avec le Lily Black, je vais aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'inconscient, au niveau de ce qui est caché, secret, hop, de vos désirs, de vos... tout ce qui est dans le subconscient, tout ce qui n'est pas visible.
ici. Alors, voyons. Quel message pour vous, mes cancers? Donc, quel message vous devez recevoir aujourd'hui? Message intemporel. Alors, on me parle d'addiction. On me parle avec le diable, en fait, d'emprise. Hein. J'ai des gens qui sont peut-être sous emprise ou qui ont autour d'eux des gens sous emprise. Ça peut être un attachement aussi trop fort et déséquilibré à la matière, à l'argent, au pouvoir. Pour certains, ça pourrait... Vous prenez si ça vous parle, hein, mais pour certains, ça pourrait vous mener, entre guillemets, à votre perte, dans le sens où vous pourriez perdre quelque chose en gardant cette posture-là. J'ai des gens qui vont, s'ils s'entêtent trop, alors ça peut vous concerner, ou des gens autour de vous, très proches de vous, s'ils s'entêtent à poursuivre dans une ligne comme ça d'attachement trop fort au pouvoir, sans justice, hein, s'il y a de l'injustice et tout ça, il risque d'y avoir un retour de bâton par la communauté, par des choses comme ça. C'est ce que je reçois très fortement là. Alors, ça ne va pas parler pour tout le monde, néanmoins c'est là. J'ai des situations aussi d'addiction, des gens qui ont besoin de couper avec l'alcool, avec le jeu, avec les écrans, toute forme d'addiction, les médicaments. J'ai vraiment des gens qui ont besoin de soins ici. Alors pas au sens lourd, mais qui auraient besoin de prendre soin de leur santé, de faire attention à leur véhicule charnel pour leur vie sur cette terre en fait. Hein. C'est vraiment ce que je reçois ici, mes cancers. Ok. Alors, le cavalier d'épée me parle de communication. Il me parle de justice aussi. Il me parle de venir régler des problèmes. J'ai peut-être quelqu'un qui vient tordre le cou à ce diable. Hein. Ça peut être un thérapeute. Hein. Ça peut être un natif d'un signe d'air. Signe d'air. Plus précisément, peut-être un gémeau. Ici, on a des énergies gémeaux taureau. En tout cas, j'ai quelqu'un qui vient dire des choses, révéler des choses. Il y a des choses qui se passent autour de vous qui ne sont pas réglo, je dirais. Alors, soit c'est vous, je le répète, mais c'est pas forcément, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Il y a peut-être des choses que vous faites qui ne sont pas réglo. Faites attention. Quelqu'un va venir vous remettre un petit peu dans le droit chemin. Ça, c'est ce que je reçois pour certains. Ça va parler à certaines situations. Pour d'autres qui sont en situation d'emprise, quelqu'un va venir vous aider. On va voir ici ce qu'on me dit. Oui, on vient vous aider avec du retard. On vient vous aider avec du retard. Les choses, elles vont porter leurs fruits, mais plus tard. Donc, il va falloir patienter. Il va falloir faire preuve de persévérance. Hein. Oui, on me le confirme. Il faut faire avec. Hein. Vous savez faire avec. Vous allez prendre votre mal en patience. On a le 2 de denier. Oui. En attendant, il va falloir jongler avec. J'ai peut-être des personnes qui sont dans des situations de violence conjugale. Attendez. N'agissez pas avant que quelqu'un vienne vous aider. Les choses, elles vont s'améliorer. Énergie de Jupiter, la roue de fortune. Les choses, elles vont aller mieux pour mes cancers qui sont en situation d'emprise, là. Oui. 7 de bâton. Endurance. On vous dit, durez. Jouez avec, composez avec. Vous sortirez des situations difficiles. J'ai aussi des gens qui vont être de façon un petit peu plus légère, hein, simplement face à des difficultés, des gens qui leur opposent leur pouvoir de façon un peu plus légère, hein, et qui vont intervenir pour rétablir une vérité. Mais encore une fois, voilà, ça ne change rien au résultat. On vous dit de persévérer, de faire preuve d'endurance, hein, de ne pas... Pour moi, j'ai quelque chose qu'il va falloir jouer un petit peu finement. Il ne va pas falloir y aller frontalement. Et c'est pas vous qui allez attaquer. Ici, c'est quelqu'un qui va être très agressif, très combatif, à bon escient.
à bon escient pour moi. C'est pas vous. Vous missionnez. Il y a quelqu'un qui va être missionné. Ça peut être quelqu'un dans la justice. Ça peut être aussi un tiers, une personne, un ami, un parent qui va vous défendre vis-à-vis d'une personnalité toxique ou d'une situation toxique. Ça peut être aussi des problèmes complexes vis-à-vis de l'administration. J'ai peut-être un médiateur ici qui vous arrange la situation, qui va faire la médiation entre l'administration et vous. J'ai peut-être des choses comme ça. Et moi, ce que je reçois pour vous, ce qu'il vous faut garder en tête, ne jamais perdre espoir au fond de vous, qu'en persévérant et en équilibrant les choses, en faisant juste des petits pas, vous allez vers votre abondance. Il y a une nette amélioration. Mais on me répète ici, hein, Saturne en taureau, qu'il y a un peu de retard. D'accord? Voilà mes cancers. J'ai terminé le tirage. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos, enfin d'autres passages, pardon, de cette vidéo qui concerne votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, on y va. Avec la suite du tirage par signe astrologique, quel message vous devez entendre aujourd'hui? Message intemporel. Et on va tirer le message pour les Capricornes. Donc, Soleil en Capricorne, Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Donc, je commence par tirer avec le Lily White. Le Lily White Tarot, je vais tirer trois cartes pour avoir un petit peu les énergies visibles, les énergies, les potentialités dans le monde visible et extérieur à vous quelque part. Et puis ensuite avec le Lily Black, je regarderai qu'est-ce qui est caché par rapport à la situation, par rapport au message que je vous communique aujourd'hui. Alors mes Capricornes, quel message pour vous aujourd'hui? On y va avec le Lily Black. Hop. Donc, qu'est-ce qui est subconscient, invisible, caché, secret? Pour mes Capricornes, quel message vous devez recevoir aujourd'hui, mes Capricornes? Alors, pour voir ça, Capricorne. Ok. Alors ici, j'ai un homme ou une énergie masculine, charismatique, mais aussi très pratique, hein, qui fait fructifier les choses qu'elle a autour d'elle. Donc j'ai des énergies, ça peut être une personne, ça peut aussi être, oui, j'ai une grande fructification. Là, j'ai de belles réussites, hein, alors qui interviennent peut-être par le biais de cette personne. Signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Ça peut être vous, ça peut être un autre signe de terre. Hein. En tout cas, j'ai quelqu'un qui est capable de générer l'abondance autour de lui, autour d'elle. Hein. J'ai vraiment ça. Une belle abondance, un aboutissement matériel, au point qu'on est même dans des questions de transmission. Je transmets mes ressources. Ça peut être des ressources matérielles, hein, de l'argent, ça peut être un héritage ici. Ça peut être aussi des ressources, des connaissances, des connaissances peut-être, des savoir-faire qui sont anciens, qui sont peut-être cachés. Voyons voir. Oui, le 4 de coupe me parle ici de secrets, de choses qui ne sont pas transmises en fait. Et là, on les fait fructifier. J'ai quelqu'un qui garde son... J'ai quelqu'un qui ne transmet pas, pardon, son savoir-faire ici. Ou qui voudrait ne pas le transmettre. Je vais regarder ce qu'il y a ici. Je n'ai pas commenté cette carte-là. J'ai aussi des gens qui vont devoir faire des choix. Peut-être par rapport à une situation d'héritage. C'est peut-être vous qui êtes en situation de transmettre quelque chose. Après la réflexion, vous allez faire le bon choix. Vous avez un esprit très pratique, vous allez avoir l'envie de faire les choses de façon juste et équilibrée. Hein. Juste et équilibrée. Oui, c'est ça.
Vous avez une belle abondance autour de vous, hein, et vous avez envie de faire les choses de façon juste. Donc j'ai des gens qui vont peut-être vouloir transmettre à leurs petits-enfants. J'ai ça. J'ai des gens qui vont vouloir transmettre à leurs enfants ou à leurs conjoints de leur vivant. Des situations qui vont être comme ça. Pour voir. Trois de bâtons. Oui. Oui. J'ai des gens qui regardent un petit peu vers l'avant pour la famille au sens collectif. Et puis, je sens que certains sont dans une forme d'ennui. Ils aimeraient que les choses avancent en fait par rapport à des situations un peu bloquées sur le plan de la matière. Donc il y a peut-être des décisions à prendre pour que ça se débloque. Ou bien j'ai aussi des choses que l'on garde pour soi et que l'on oublie d'aller donc on oublie d'aller transmettre. Et là, on me dit transmettez, transmettez. Après, ce sera trop tard. Donc ça peut être aussi des connaissances, du savoir-faire. Hein. Je pense à des choses, je ne sais pas, hein, travail de maréchal ferrant, de couture, des choses manuelles, des anciens métiers qui se perdent, hein. De la bonne cuisine, hein. Une façon de conserver certains aliments, des choses comme ça. Ça va être très terre à terre comme ça. Ça peut aussi être des connaissances sur le plan un peu plus des affaires avec des gens qui vont savoir gérer des biens immobiliers et qui vont transmettre leurs connaissances à des gens plus jeunes qu'eux ou à des pères. Hein. J'ai vraiment la notion de transmission dans un but bienveillant. Alors ça ne veut pas dire vous transmettez à tout le monde et n'importe qui. Hein. C'est pas ça. Mais vous transmettez à des gens qui vous sont chers. C'est ce que je reçois. Avec les énergies de conquête ici, j'ai quand même aussi des gens qui vont être dans cette notion de transmission sur plus quelque chose, une démarche plus business avec je crée un blog, je crée des contacts, j'aide les gens à, je leur transmets mon savoir-faire par rapport à une compétence que j'ai et je le fais. Alors, je reçois par Internet. J'ai le sentiment que ça se fait par Internet pour certains. J'ai des gens qui vont créer une entreprise pour rayonner. Ils vont rayonner grâce à leur savoir-faire. Hein. Et ils vont prendre des décisions au sujet de ce qu'ils ont à transmettre qui vont être tranchées. Hein. Ils vont savoir quoi faire. J'ai une superbe abondance. De toute façon, voilà, vous avez une conquête, des choix bien réalisés. J'ai des gens effectivement qui sont dans une forme de. Oh là, vous avez besoin de renouveau pour certains. Au fond de vous, vous avez besoin d'un certain renouveau. Et vous allez le trouver avec cet esprit pratique hein, qui est le vôtre, hein, signe fixe de terre. Vous regardez vers l'avenir, vous allez vers votre abondance. Hein. Oui. Et vous saurez faire les choix les plus fructueux. C'est ce que l'on me dit ici. Voilà mes Capricornes, j'ai terminé le tirage. Alors j'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Allez voir aussi et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, hein, bien entendu. Allez voir les autres passages dans la vidéo qui concernent votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite aussi à aller voir les autres playlists, Taroscope, Énergie de la semaine. Et puis voilà. Allez, je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, on continue le tirage. Pour quel message vous devez entendre aujourd'hui? Alors, on va travailler pour les Gémeaux. On va faire la lecture pour les Gémeaux. Quel message vous devez entendre aujourd'hui? Trois cartes avec le Lily White Tarot. Trois cartes avec le Lily Black Tarot. Quel message vous devez entendre aujourd'hui, mes Gémeaux? Donc, hop, j'en ai deux. Non. En haut, on aura les énergies extérieures, je dirais, ce qui est visible, dans ce que vous donnez à voir en société, les potentialités, ce qui se réalise, choses comme ça. Hein. On est dans cet esprit-là. Donc, tout ce qui est palpable et visible. Hein. Et puis avec le Lily Black, on ira explorer un petit peu plus ce qui se passe
dans l'inconscient, dans le subconscient, dans ce qui est caché, secret, non dit. Alors, quel message pour mes Gémeaux? Quel message vous devez entendre aujourd'hui, mes Gémeaux? Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller voir la première partie aussi de la guidance avec plusieurs choix. Et je vous invite également à aller voir les autres parties de la deuxième partie de la vidéo hein, qui concerne les signes astro pour votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, mes Gémeaux, quel message pour vous? Quel message pour mes Gémeaux? On y va. Ok, alors. C'est parti, mes Gémeaux. D'accord, on me parle de la lune, on me parle de... d'intuition, on me parle de cycle aussi et d'épreuves, de transformation. On me parle aussi d'état intermédiaire entre chien et loup. J'ai des gens qui sont peut-être en train de traverser une étape importante de leur vie et qui sont en train de changer, peut-être d'aller vers plus de spiritualité, qui vont un petit peu plus vers leur guidance intérieure. Qui se connecte un peu plus aussi au cycle lunaire, hein. À leur biologie interne aussi, j'ai ça, qui vont être un petit peu plus proches de la nature, hein. Qui se reconnectent avec les esprits de la nature. Ça c'est la reine d'épée, reine d'épée, j'ai une femme là, alors, signe d'air, donc ça peut être vous. Ça peut aussi être une vierge. Qui vient ici trancher des choses. Hein. Il y a des décisions qui sont prises avec beaucoup d'empathie. J'ai peut-être des gens qui sont vraiment... qui se retrouvent là. Hein, comment dire? Ouais, qui se révèlent à eux-mêmes. Qui se révèlent à eux-mêmes. Je peux avoir aussi des énergies de la balance, hein, des énergies, je l'ai dit, du Gémeaux et du Verseau également, hein, signe d'air. Ça peut vous parler comme ça. En tout cas, j'ai des énergies intellectuelles hein, qui sont mises au service de l'empathie. Empathie et de l'intuition, hein, principe féminin de réceptivité de l'eau en lien avec la lune. J'ai des gens qui vont peut-être aller vers des décisions fortes. On me parle de la force. J'ai des gens qui s'affirment là, qui vont se réaliser par rapport à leur guidance intérieure. C'est vraiment ce que je reçois, mes Gémeaux. La phrase qui vient, c'est « girl power ». Alors, messieurs, ça peut être « man power », mais dans la société dans laquelle on vit, « girl power », c'est aussi un message important. J'ai l'impression qu'il y a des personnes, alors ça peut être aussi des hommes, hein, c'est pas exclu du tout, mais j'ai des gens qui vont prendre possession de leur propre pouvoir là, qui vont s'assumer, qui vont taper du poing sur la table, mais sans violence. J'ai pas d'énergie martienne là par exemple, hein. J'ai des énergies de feu où on va briller, on va s'affirmer, on se pose, on explose, hein. On explose avec les énergies du soleil. On s'affirme, on se confirme, on a une grande maîtrise hein, vis-à-vis de sa force intérieure, on maîtrise le lion en soi, on se tempère. Et en même temps, il y a une telle assise, là, je ressens une autorité naturelle. Hein. J'ai des gens là qui ont une maturité, c'est hallucinant. Voilà. J'ai des gens qui vont enfin s'assumer par rapport à leur guidance intérieure, je le redis. Hein. Et peu importe ce que diront les autres, en fait. Étrange, c'est comme ça. C'est dit, moi, je suis comme ça. Toi, tu penses que je dois être comme ça. Je te dis non. C'est comme ça. Point. Et vous allez l'incarner. Ça peut être des femmes, mais ça peut aussi être des hommes hein, qui vont s'affirmer vis-à-vis d'une autorité, qu'elle soit féminine ou masculine, hein, qui peut-être auparavant vous écraser un petit peu,
vous empêcher de vous exprimer. Là, j'ai une vraie expressivité, hein. Les idées, vous allez pouvoir les exprimer avec beaucoup de respect des autres, hein, mais vous affirmer. Vous allez vous affirmer, mes Gémeaux. Ici, j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui se maîtrise. Alors, voyez, en lien avec la lune et les émotions, j'ai quelqu'un qui mûrit, dans le sens où peut-être, par le passé, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'émotivité. Hein. J'ai peut-être des gens ici qui avaient du mal à se maîtriser avec une surabondance d'émotivité. Et là, vous avez trouvé votre maîtrise intérieure. Et tout ça se lie en fait. Vous trouvez votre guidance intérieure. Vous arrivez à trancher, à vous imposer. Vous gagnez de la force et donc vous vous maîtrisez mieux. Et ça, c'est un peu le secret. C'est tout lié là. Il y a comme un cycle en fait. Vous mûrissez et ça améliore la situation dans la réalité. Enfin, dans la réalité visible. Hein, je parle parce qu'ici, on est dans une forme de réalité aussi, mais qui est subconsciente et qui est cachée. J'ai des gens qui en ont eu gros sur la patate. Hein. J'ai des gens qui ont chargé là. Hein. J'ai des gens qui ont dû assumer beaucoup de responsabilités, plus qu'ils ne l'auraient dû. Peut-être des compagnons, des compagnes, des conjoints, des conjointes qui n'ont pas joué leur rôle de soutien. De soutien sur le plan logistique. Hein. Peut-être j'ai des gens qui se sont tout fait à la maison, là. Avec une famille, peut-être, qui s'est beaucoup appuyée sur vous. Et là, vous dites stop. Mais sans méchanceté, en fait. Juste, vous vous affirmez. Je suis pas la boniche. Je suis pas l'homme à tout faire. Hein. Tu vas te prendre en main et vous déléguer. Avec beaucoup de maîtrise et beaucoup de douceur, au final. Hein. Simplement, voilà. Vous lâchez les choses et vous allez trouver une sérénité. Regardez. Ouais, on a le fou qui repart sur un nouveau chemin. Et alors, avec les énergies uraniennes, là, on repart sur... Vous allez avoir le droit d'être vous, d'être qui vous êtes, en fait. Au fond de vous, vous aspirez à votre originalité. Vous avez envie de porter, j'en sais rien moi, une robe rouge à carreaux jaunes. Eh bien, vous la portez, même si en face, vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah ouais, ta robe, elle est nulle. » Je prends cet exemple-là, c'est ce que j'ai reçu là. Vous, voilà, vous allez avoir le droit d'être vous-même, en fait. Vous voulez décorer votre maison ou une pièce qui est votre petit lieu. Vous faites ce qui vous va. Pas comme les autres pensent que vous avez besoin de faire. J'ai vraiment des gens qui s'affirment là. Alors ça peut être des situations, j'étais beaucoup sur des situations familiales, hein, interpersonnelles, au sein du couple, au sein de la famille élargie. Je peux avoir des jeunes aussi qui ont besoin de s'affirmer vis-à-vis de parents qui sont un petit peu intrusifs, je vais avoir ça. Mais j'ai aussi des gens sur le plan professionnel, qui ont un manager, un supérieur qui est un tantinet abusif, qui vous charge la mule, et vous allez parvenir sans méchanceté. Hein. Il n'y aura pas de rupture, là, je vois pas de « je m'en vais, je fais autre chose », non, non. Mais vous allez vous réaliser dans votre originalité, dans qui vous êtes, hein, avec beaucoup de force, en vous maîtrisant. Et vous allez trancher les choses, hein, décider « ben moi, je veux ça pour moi, en fait ». Vous avez trop souffert hein, pour continuer à vous prendre la tête. Donc, vous décidez que vous ne souffrez plus. Et ça, c'est une grande victoire, mes Gémeaux, que vous avez sur vous et sur la vie, sur l'adversité dans la vie. C'est que vous vous autorisez à... je crois qu'on a eu quelque chose dans le tirage comme ça. Autorisez-vous à recevoir dans le tirage, dans la guidance précédente, dans la guidance intuitive à choix. Autorisez-vous à recevoir, donc vous y avez droit, arrêtez de donner tout le temps et de charger la mule et de servir les autres en fait. C'est un peu à vous de recevoir et de prendre ce que vous avez le droit de prendre. Voilà mes Gémeaux, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a aidé, qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos. Enfin, pas les autres vidéos, pardon, les autres passages dans cette vidéo qui concernent votre signe lunaire et votre ascendant, ou votre signe solaire si vous n'êtes pas Gémeaux. Et voilà, puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye, prenez bien soin de vous. Alors, on continue le tirage pour savoir quel message vous devez entendre aujourd'hui avec les poissons. Donc, on continue le tirage pour les poissons. Avec le Lily White Tarot, donc je vais tirer trois cartes. Tirage intemporel pour savoir
Quel message vous devez entendre? Qu'est-ce qui est visible? Qu'est-ce qui est à l'extérieur de vous? Quelles sont les potentialités? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Hop. Trois cartes. Et puis après, avec le Lily Black, je tirerai trois cartes également pour aller voir un petit peu plus ce qu'il y a en dessous, ce qui est caché, ce qui est inconscient, ce qui est secret par rapport à la situation évoquée en haut. Alors, ok, poisson ici et là. Hop. Alors, mes poissons, quel message vous devez entendre? Ok. Quel message pour vous mes poissons? Regardons ça. Donc c'est un message intemporel à compléter avec les guidances à choix de la première partie et à compléter également avec les autres tirages astro pour votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Je ne l'ai pas dit, hein, je crois que je ne l'ai pas dit. Donc ici c'est tirage pour poisson, soleil en poisson, lune en poisson et ascendant en poisson. Alors, quel message vous devez recevoir, mes poissons, aujourd'hui? Donc, oui, la sautelle s'est retournée. Donc, j'ai de l'abondance qui arrive avec un peu de retard. Hein. Saturne en taureau, l'abondance arrive, vous avez semé les graines, mais ça n'arrive pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Néanmoins, les choses arrivent, hein. Elles vont arriver. Il faut être patient. Il ne faut pas se montrer impatient, mes poissons. Mais c'est vrai que j'ai des gens qui sont dans des situations douloureuses, là, d'épuisement. Hein. J'ai des gens qui sont peut-être dans des situations de burn-out. Attention à votre santé. J'ai également des situations compliquées, desquelles vous ne parvenez pas à vous dépêtrer pour le moment. Pour ça, peut-être que j'ai des gens qui vont être dans une situation de « bon, mais c'est quand que ça vient là ?» parce que j'ai du mal. Hein. Alors, on vous parle d'endurance, voilà, on vous dit qu'il vous faut tenir bon face à la situation. On vous dit de ne pas perdre espoir. Vous voyez ce feu-là, c'est le feu de l'espoir. Ne perdez pas espoir. Après l'orage, il va faire meilleur, hein. La flamme, elle tient malgré la pluie. Là, moi, je reçois de la pluie dans cette carte. Elle tient bon. Donc, malgré la tempête, hein, vous résistez. C'est vrai que c'est difficile hein, pour certains. Je le vois bien là. Et vous aimeriez que les choses aillent plus vite. Hein. Regardons ce qui est secret, ce qui est caché. Ouais. J'ai de l'union, la familiale. J'ai des unions qui peuvent arriver. De la stabilisation familiale, des énergies, des choses qui se concrétisent, hein. Ça peut être aussi sur le plan des affaires, hein. En tout cas j'ai une stabilisation, 4 de bâton, on stabilise les énergies, j'ai même de la victoire, hein. J'ai même de la victoire qui arrive, ça se prépare en dessous, elle arrive la victoire, d'accord, mais ça met du temps, donc là j'ai pour certains poissons, on vous dit, ne perdez pas espoir, les choses elles vont se régler. Je vois que ma carte elle s'est un peu abîmée. Ne perdez pas espoir. Reine d'épée. Alors, d'accord. Là, je pense qu'il y a des solutions qui se profile. Alors, solution, j'ai une personne d'un signe d'air qui vient vous aider. Balance, Gémeaux, Verseau. Ça peut aussi être une vierge ici, sur cette carte en particulier. Quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Ça peut être quelqu'un d'assez proche de vous, mais pas forcément. Ça peut aussi, par analogie, on est avec l'eau de l'eau ici, hein. Ça peut être vous aussi pour moi. Vous vous aidez vous-même. D'accord? Vous allez trouver la force de trancher. Vous avez l'esprit, comment dire, pratique, dans le sens où vous allez savoir discerner ce qui est bon pour vous de ce qui n'est pas bon. Est-ce que c'est justifié de se prendre la tête, de se faire du mal? Est-ce que le fait de se faire du souci, ça permet aux choses de se régler? C'est ce que je reçois.
Posez-vous la question. Je pense qu'il y a un travail en soi à faire, un travail dans le subconscient, d'avoir confiance en ses capacités à générer l'unité, que ce soit familiale, que ce soit entrepreneuriale, et la victoire, hein, la réussite de l'affaire, la réussite de la famille, la cohérence. J'ai tout ça là. C'est à vous de le décider, ça. C'est ce que me disent les cartes. Effectivement, à l'extérieur, on a l'impression que ça met du temps. Je pense que vous vous sabotez, certains. Parce qu'au fond de vous, vous avez la force pour faire les choses. Hein. Donc, j'ai des gens qui vont pouvoir trouver la force en eux grâce à leur intuition, grâce à leur puissance, leur ressenti, grâce à leur volonté. J'ai des gens qui vont arriver à trancher des choses, à séparer le bon grain de l'ivraie, à distinguer ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, de ce qui est juste de ce qui est injuste, qui vont arriver à apurer les situations là et qui vont éloigner la difficulté et l'oppression et qui vont dire stop aussi à des situations abusives. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous charge la mule là. Quelqu'un qui vous donne trop de travail, qui vous demande trop d'efforts de façon injustifiée. J'ai aussi ça. Vous allez arriver à séparer ces personnes, à les mettre à distance, à la bonne distance. Ça ne veut pas dire couper les contacts et couper les ponts. Hein. Ça veut dire mettre la bonne distance. Simplement, ça prend un peu de temps et ça vous demande de tenir bon. Mais je vous le redis, le tirage me dit qu'au fond de vous, vous avez complètement les ressources et vous savez que vous pouvez y arriver. Il vous suffit. Pour y arriver, d'y croire en vos potentiels, en vos potentialités. Voilà le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui, mes poissons. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous invite également à aller voir les autres parties de la vidéo, les premières parties avec les choix, les différents choix intuitifs en début de vidéo, et aussi tout ce qui est astro sur la deuxième partie de la vidéo avec votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. À bientôt, bye bye. Allez, on continue le tirage pour savoir quel message vous devez entendre aujourd'hui. Alors, quel message et pour qui? On va parler aux vierges maintenant. Alors, mes vierges, soleil en vierge, ascendant en vierge et lune en vierge. Quel message vous devez entendre aujourd'hui? Donc, je vais commencer par tirer trois cartes avec le Lily White Tarot et je terminerai par trois cartes du Lily Black Tarot. Donc, les trois premières cartes avec le Lily White, c'est pour aller explorer ce qui est visible, hein, ce qui se manifeste à l'extérieur. On va voir un petit peu quel message on a. Pour vous, mes vierges, aujourd'hui, message intemporel, je le répète. Alors, qu'est-ce qui est visible? Quelle est votre situation aujourd'hui? Quelle est votre situation aujourd'hui? Mes vierges, et je tire trois cartes pour tout ce qui est inconscient, caché, secret, tout ce qui est en dessous, invisible, tout ce qui peut être aussi à l'origine du problème visible. Alors, pour voir, mes vierges, soleil en vierge, ascendant vierge et lune en vierge. On y va. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Ok, on me parle de sagesse, on me parle des énergies du taureau avec le hiérophante. On me parle de suivre les règles, sociétales. Et on me dit que c'est la clé, en fait, de votre réussite. Donc, j'ai des énergies lentes, persévérantes, je dirais même têtues, mais dans un bon sens, hein, du taureau, terre fixe, hein, vous êtes terre mutable,
pratique aussi, mais peut-être un petit peu plus changeant. Là, on m'invite à vous dire de persévérer, de ne pas lâcher l'affaire. Vous êtes peut-être face à des situations qui demandent votre endurance. J'ai des choses qui se règlent lentement, mais durablement. Les choses avancent, hein. Les choses avancent, même si ça n'avance pas suffisamment vite à votre goût, peut-être, mes vierges. J'ai aussi des gens qui se font aider sur le plan légal ici. J'ai des choses, ça peut être aussi sur le plan des unions. J'ai des unions qui vont être légalisées également. J'ai la loi là qui rentre en ligne de compte. Ah oui, j'ai des énergies. Ouais. Ça me parle, ça renvoie à un autre tirage là. J'ai des énergies là de communication acerbe. Là, je reçois un petit peu d'agressivité. C'est peut-être vous qui défendez votre beefsteak hein, par rapport à une situation qui concerne de la légalité. J'ai en tout cas quelqu'un qui vient, un justicier qui arrive à la rescousse. Hein, ça peut être quelqu'un, donc le cavalier d'épée, il est représenté, enfin, il représente, pardon, les signes principalement Gémeaux et Taureaux. Dernier décan du Taureau, deux premiers décans du Gémeaux. C'est voilà l'ambition. C'est on pense vite, on réfléchit vite. On a la langue qui exprime les idées très avec beaucoup de pertinence. Ça, on va piquer là où on va aller toucher dans le mille. À juste raison, à juste titre, on me dit, hein, à juste titre. J'ai un vrai gain d'efficacité là. J'ai vraiment ça pour certains. Vous prenez si ça vous parle. Oui, on va vers une superbe abondance avec beaucoup de joie, mes vierges. J'ai des gens qui vont démêler une situation qui durait depuis longtemps, qui était bloquée sans gravité majeure, mais qui était agaçante, bloquée. Et là, vous allez vers une joie. Regardez toute cette communauté là qui s'éclate en fait. Il y a quelque chose qu'il va falloir fêter après. Hein. J'ai une abondance. Alors, je peux avoir des divorces qui se règlent à l'amiable ou qui se règlent par la justice. Et avec peut-être, hein, ici, j'ai peut-être un avocat qui vient aider à faire valoir vos droits. J'ai peut-être ça. J'ai aussi des choses au niveau des prud'hommes avec des licenciements abusifs. C'est le même cheminement. En tout cas, justice est rendue. Justice est rendue, mais ça ne vient pas tout de suite, tout de suite. On vous dit de ne pas perdre espoir et de vous en référer à la loi. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et tenez bon sur ça, ne lâchez pas. La loi, elle est écrite pour vous aider. Je suis vraiment avec des histoires de légalité là. Ouais, grande maîtrise, hein. Au fond de vous, mes vierges, vous avez de la puissance, vous avez une grande maîtrise pour vous contrôler, pour arriver à vos fins. Ouais. Alors, j'ai aussi des gens, si je le prends sur un plan un peu plus léger, là, on me dit, mais attends, calme. Il y a aussi. Sur le plan sentimental, là, j'ai des gens qui vont. C'est pas des foudres de guerre. On va pas être sur des histoires de coup de foudre et de séduction, mais j'ai peut-être des gens pour des célibataires là. Vous avez quelqu'un autour de vous que vous connaissez bien, quelqu'un à qui vous n'aviez pas forcément pensé, et les choses vont avancer, vous allez vers votre abondance. Hein. J'ai des gens qui vont se retrouver en couple. Ouais. Ok. Si je continue sur le plan sentimental, j'ai des gens qui. Waouh, le monde. Je la montre, elle est trop belle. Bravo à Célia Mélesville hein, pour ces superbes. Ça, c'est du pastel, je pense, et les autres, c'est de l'aquarelle. Enfin, ces superbes représentations graphiques, c'est vraiment magnifique. Je me reconcentre sur le tirage. Ici, on se protège. Alors, j'ai deux choses. J'ai des gens qui, peut-être, hein, par le passé, ont eu des déceptions sentimentales. Hein. Ils retrouvent de leur force, de leur maîtrise. Hein. C'est ce qui leur permet ensuite de manifester leur abondance, d'aller vers une rencontre. Hein. Voilà, ça j'ai toutes ces énergies-là. Si je reprends sur le plan légal avec les problèmes administratifs ou les choses à régler là que j'ai évoquées en début de tirage, on vous dit que vous vous protégez, mais ça fonctionne bien.
Hein? Le secret, c'est de ne pas trop tendre la joue pour. Faudrait être prudent pour régler les choses. La langue bien placée, les mots justes. Hein? Soyez quand même prudent par rapport à ce que vous dites. Hein? Prenez conseil. Prenez conseil et pensez à vous protéger parce que vous avez en face de vous des gens qui font preuve d'une énorme mauvaise foi. Voilà, c'est ce que je reçois. Ils sont prêts à tout en fait pour vous plomber. Hein. Donc vous, c'est votre job de prendre soin de vous. Mais au final, vous avez une abondance infinie. Il y a une réussite. Hein. J'ai la réussite. J'ai la réussite là qui arrive. Hein. Alors, elle se manifeste, regardez, elle se manifeste dans l'inconscient, dans l'invisible. Donc en fait, ça va peut-être pas être partagé par tout le monde, cette réussite. Hein. Peut-être les gens vont vous jalouser, ou bien ils vont pas comprendre en fait que vous ayez gagné quelque chose, un procès. Ils vont penser que, ben non, mais attends, ça ne doit pas fonctionner comme ça. Ça peut, je ne vais pas avoir des gens qui vont réagir comme ça. Néanmoins, vous allez fêter les choses. Hein. Il y a des belles choses à fêter. Ça, c'est certain. Et puis, vous aurez à l'intérieur, vous saurez, même si les gens ne sont pas en accord avec vous, qu'ils ont des points de vue divergents, vous saurez que vous avez gagné votre abondance, hein, ultime et une grande sagesse. Hein. J'ai les énergies de Saturne ici qui parlent d'expérience, qui parlent de sagesse. Voilà. Ben écoutez, mes vierges, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous pensez que ce tirage peut aider quelqu'un. Et je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, et à aller voir les autres parties de la vidéo qui concernent votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous invite également à aller voir les autres playlists de ma chaîne, hein, quand vous aurez fini de regarder cette vidéo. Voilà, j'ai des taroscopes, il y a des énergies de la semaine. Il y a aussi un tirage nouvelle lune, hein, qui doit être par là, autour du tirage. Je vous rappelle qu'ici, on est sur un tirage intemporel. Néanmoins, je vous invite à aller explorer ma chaîne. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très très belles choses, hein, pour la période qui s'ouvre devant vous. Allez, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye, mes vierges. Allez, je continue le tirage, hein, pour savoir quel message vous devez entendre aujourd'hui. Alors, on va voir quel message vous devez entendre pour les taureaux. On regarde tout de suite, hein, le tirage pour les taureaux. Soleil en taureau, ascendant en taureau et lune en taureau. Je vous rappelle que c'est un tirage intemporel, qu'il se compose de deux parties. La première partie, c'est la guidance à choix multiples. Et puis la deuxième partie, c'est le tirage astro. Donc je vous invite, quand vous aurez regardé cette vidéo, à compléter le tirage par les tirages qui concernent votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe solaire. Parfois, les tirages peuvent se répondre ou se compléter ou être intervertis également. Hein. Il peut y avoir des mélanges qui se font. Donc n'hésitez pas à explorer la vidéo pour trouver le message qui vous correspond et qui vous parle. Qu'est-ce que je veux vous dire? Alors, je vais commencer le tirage avec trois cartes du Lily White Tarot. Alors, on va aller explorer un petit peu le message que vous avez à recevoir sur le plan concret, sur le plan extérieur à vous, sur le plan des potentialités, de ce qui est visible, de ce que vous donnez à voir. On est sur tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ici. Et puis, je tirerai après trois cartes du Lily Black pour aller explorer ce qui est invisible, caché. Waouh! Ça saute, ça se renverse. Je vais prendre là-dedans pour voir. Qu'est-ce que j'ai là? Ok. Ici. Et là. D'accord, mes taureaux. Soleil en taureau, lune en taureau, ascendant en taureau. On va regarder le message du Lily White. Et puis maintenant, le tirage pour le Lily Black. Quel message? Message intemporel. Carte, elle est là. Ok, alors quel message pour vous, mes taureaux? Allons-y.
Alors, mes taureaux. 4 d'épée. J'ai des gens qui se reposent. Hein. J'ai des gens qui arrêtent de faire quelque chose, qui récupèrent. J'ai les énergies de Jupiter et de la Balance. Ici, on se rééquilibre sur le plan de ces énergies. On calme un petit peu des énergies d'expansion qui seraient très fortes pour se régénérer. C'est une carte plutôt positive. Hein. Ouais. On se régénère sur le plan émotionnel ici. J'ai un message qui me parle de grande émotivité. La voix du cœur ici, on me dit, écoute ton cœur. Écoute ton cœur, taureau. Écoute ton cœur et on a ici le cavalier de feu, cavalier de bâton et agis comme ça te fait plaisir. Voilà. Alors j'ai des énergies un petit peu qui s'opposent. Hein. C'était une transition là qui est décrite. Hein. Puisqu'ici on a des énergies de grand calme et ici des énergies très martiennes de feu. Hein. Le cavalier de bâton, c'est des énergies du Sagittaire. On a le feu de feu. Le cavalier, c'est feu déjà, et puis bâton, c'est feu. Donc on a une énergie très axée sur l'influx physique, l'énergie, la niaque. Hein. Alors là, Sagittaire, donc on est sur Jupiter à nouveau. Ouais. De nouveau, donc on a deux énergies d'expansion, mais qui sont pas, qui s'expriment pas tout à fait de la même façon, avec une composante émotionnelle. Ok. Je vais regarder ce qui se cache dans l'inconscient. Alors, ici, j'ai le valet de bâton. Renaissance du désir. D'accord. 7 de coupe. Beaucoup de choix. Trop de choix, parfois. On ne sait pas quoi choisir. J'ai une blessure. Ok. Donc j'ai des gens qui, suite à une blessure, se sont retrouvés en nécessité de se ressourcer là. J'ai des gens qui ont vécu quelque chose de dur. Une rupture, un licenciement, une déception vis-à-vis des finances, une mauvaise nouvelle, hein, les impôts. Je peux avoir aussi des gens qui, familialement, souffrent de ne pas voir leurs proches. Parce qu'ils sont trop loin, parce qu'ils sont à l'étranger. Et j'ai le sentiment ici que vous ne savez pas comment faire pour solutionner, en fait. Hein. J'ai des gens qui ne savent pas comment se retrouver, comment arriver à trouver des solutions. Ou peut-être qu'il y a trop de choix, trop de solutions. Quelle voie prendre? Alors, ce que la guidance me dit ici, c'est... Écoutez votre spiritualité, écoutez votre intuition. Sinon, spiritualité, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, écoutez votre guidance intérieure. Écoutez votre petite voix qui vous dit, voilà, mais tu sais en fait, toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Tu le sais. Mais comme j'ai des gens qui ont besoin de se reposer, là, peut-être que vous manquez de lucidité. Donc, ce que je reçois, c'est un message qui est double hein, et qui est concomitant. C'est repose-toi et mobilise-toi là où il y a besoin de te mobiliser. Tu sais ce qu'il y a à faire, taureau. Tu sais ce qu'il y a à faire. Simplement, on vous dit, choisis bien tes combats. Décide bien de là où tu mettras ton énergie. Parce que tu as besoin de repos. Donc tes ressources, si tu les utilises, il faut les utiliser à bon escient. Et ici, la carte du valet de bâton, elle me dit que vous savez intuitivement, hein, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous allez faire. Simplement, ce n'est pas encore conscientisé, peut-être. J'ai des gens qui n'ont pas passé ça du niveau inconscient au niveau conscient. Donc ça va peut-être être le message, en fait, que vous avez à recevoir. Ça va être très général et ça va parler à des situations variées. Hein. Ça peut être des situations personnelles, hein, de couple, des situations familiales, des situations professionnelles, des situations d'amitié. Vous savez ce qu'il y a à faire intuitivement. Il faut juste aller y mettre, hein, toucher du doigt en fait. Hein. Pointer précisément ce que vous voulez dans la vie parce que vous avez l'énergie pour le faire. Néanmoins, pour une raison X ou Y, peut-être un coup de mou,
peut-être une déception, vous avez un peu moins de ressources là. Donc, on vous invite à préserver vos ressources et, je le répète, à les utiliser à bon escient. D'accord? Voilà mes taureaux, donc c'est assez général, c'est pas très concret sur les types de solutions que ça peut apporter. J'espère que vous allez pouvoir le décliner en fonction de votre situation, hein. Je pense avoir expliqué. Pour moi, c'est clair. J'espère que c'est aussi clair pour vous, mes taureaux. Voilà, soyez indulgents si ce n'était pas clair. Allez voir aussi les guidances, hein, pour les autres signes, hein, ça va peut-être plus vous parler. Mais ce que je reçois, je le reprends, hein, mais si vous savez, mes taureaux, comment solutionner vos difficultés. Voilà. Vous savez, même s'il y a plusieurs possibilités, vous savez comment vous sortir de la situation. Et ouais, je le répète en fait, hein, mais en vous écoutant et en vous économisant, vous allez mobiliser les forces nécessaires et à votre disposition pour régler ce qu'il y a à régler. Voilà mes taureaux. Allez, j'ai terminé le tirage. Je vous embrasse très fort. J'espère que ce tirage vous a parlé et qu'il vous a plu. J'espère qu'il peut aider quelqu'un aussi. Si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite à aller voir les autres parties de la vidéo qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, à remonter sur le début de la vidéo pour aller voir une des guidances à choix que je vous propose en tout début de vidéo. Et puis voilà, c'est tout, hein. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous invite également, si, à aller voir les taroscopes, hein, pour le mois en cours ou pour le mois prochain. Vous allez voir tout ça dans mes playlists. Les énergies de la semaine, hein, également. Et les tirages sur la nouvelle lune, hein, voilà, sur le cycle de la lune. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, on continue le tirage. Pour savoir quel message vous devez entendre aujourd'hui, et on va parler pour les Sagittaires. Alors, quel message, mes Sagittaires, vous devez entendre aujourd'hui? Soleil en Sagittaire, ascendant en Sagittaire et lune en Sagittaire. Quel message vous devez recevoir aujourd'hui? Donc, je vais tirer trois cartes avec le Lily White Tarot. Donc ça va me parler de tout ce qui est conscient, de tout ce qui est visible, de toutes les potentialités pour vous par rapport à ce message. Message intemporel, je le rappelle. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller voir les guidances à choix du début de la vidéo. Et puis aussi, à la suite de ce tirage, d'aller voir les parties de la section astro. Pour votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant. Alors, qu'est-ce que j'ai? Mes Sagittaires. Donc, trois cartes. Hop. Ok, je prends ça. Donc, le Lily White. Et je continue le tirage avec le Lily Black Tarot. Pour travailler un petit peu plus sur ce qui est inconscient, caché, invisible. Hein, ce qui est secret. Ce qui est non dit. Hop. Alors pour voir, je continue ici. Les Sagittaires, hein, quel message, hein. Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Alors, pour voir ça. Ok, j'ai le roi de bâton ici. Donc on est sur des énergies de feu, roi de bâton. Ben, c'est les énergies du lion, air de feu. J'ai des gens qui ont une grande capacité à s'exprimer, à briller. J'ai quand même des énergies qui se rapprochent pour moi quand même du Sagittaire. Hein. Grande énergie d'expansion. Également, mais énergie du soleil, hein, expression de l'enfant intérieur très marquée. J'ai des gens qui savent arriver à leur fin, qui savent mettre en œuvre ce qu'il y a à faire. Hein. Une grande puissance, hein. Je peux avoir aussi donc des énergies masculines pour des natifs d'un signe de feu, d'accord? Donc Sagittaire, Lion, Bélier, voilà, j'ai tout ça. Regardons la suite. Hein. J'ai encore du feu là, énergie du Bélier. Regardez comment
Alors, ils se regardent pas tout à fait, mais on a quand même des énergies qui fusionnent, là. Moi, je ressens comment ça fusionne, les Sagittaires. Concrétisation des projets, affermissement. Le 4, on stabilise, on concrétise, on impose. Hein. J'ai une forme d'autorité, là, hein, qui se manifeste à vous. Hein. Alors, on va voir comment ça parle. Oui, cavalier de denier. Lenteur, énergie lente. Énergie de la Vierge. Feu de terre. Je fais le travail requis. Ça, c'est pas très rapide ainsi comme énergie. Je fais ce qu'il y a à faire. Je m'affirme comme étant celui qui tient les rênes ici. Hein. C'est vraiment ce que je reçois. Pour moi, c'est un tirage très puissant, les Sagittaires. Hein. Et puis, alors, regardez comment le cavalier regarde vers l'avenir. Le roi, il a une vision un petit peu. Il a une vision un petit peu. Comment on appelle ça? Il a l'air inspiré. Il a l'air. Il regarde pas droit devant. Il regarde aussi en l'air. Donc, on est dans la foi, dans la philosophie. Hein, c'est la maison qui vous concerne aussi. La maison de la spiritualité, maison 9. Ouais, j'ai tout ça. C'est comme s'il était habité, ce roi, en fait. Hein. Je reçois ça, voilà, c'est habité. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Donc, j'ai des esprits. Alors, bon, l'empereur, il regarde vers le passé, mais c'est comme si. Pour moi, il ne regarde pas vers le passé, là. Il regarde vers ses compétences, ses capacités. Il y a une prise de conscience de vos talents, de vos forces. Hein, mais Sagittaire, regardez comment vous êtes représenté dans l'oracle de Barbieri, là. Le feu, l'énergie, il y a une puissance sans limite. Hein. Sagittaire, Jupiter, bon alors attention à pas exploser. Hein. Jupiter, on peut aussi se brûler les ailes. Hein. Mais on peut être, en tout cas, être dans des formes d'excès avec Jupiter. Mais là, je ne vois pas d'excès, puisque à la fin, on a une concrétisation ferme vers l'avenir avec un cavalier de terre hein, qui est lent mais fiable, hein, qui est. Efficace dans ses actions. Hein. Il travaille dur, il est productif. On est vraiment dans ça, mes Sagittaires. Hein. Voilà. Bon, c'est magnifique. Oh là là. Regardez-moi ce qui m'est sorti. Confirmation. Vous savez qui vous êtes. Alors, ça contraste pas toujours très bien quand je mets les deux côte à côte. Mon téléphone, il est. Voilà. Magnifique. Hein. Donc, vous êtes vraiment cette personne-là. J'ai encore des énergies du lion. Énergie de feu dans tous les cas. On est à fond les ballons là. Il y a vous avez une énergie de dingue. Énergie de dingue. C'est confirmé par l'inconscient. Donc vous, j'ai des énergies inconscientes qui se manifestent dans le conscient. C'est super. Alors quand même, attention au burn-out. Je ne sais pas si je l'ai dit quand j'ai sorti la carte. Hein. Je vous ai parlé d'essayer de ne pas exploser. Attention à ne pas trop charger la mule quand même. Vous n'êtes pas surhumain. C'est confirmé ici avec le diable. Hein. D'accord, vous avez une grande puissance. Hein, mais attention à ne pas vous laisser dépasser par la vague. Hein, par la vague qui serait surpuissante en fait. Hein. Attention à l'autoritarisme aussi avec l'empereur. Mais bon, je ne suis pas inquiète parce que ce cavalier, c'est un cavalier ultra fiable. Voilà. C'est une carte de fiabilité, de puissance, de modération aussi. Hein. On travaille dur, on s'attelle à faire ce qu'il y a à faire. On est productif, je crois que je l'ai déjà dit. On protège les ressources. Néanmoins, je pense qu'il y a ici des énergies qui pourraient. C'est comme un avertissement. Alors, je l'ai déjà dit, je le dis souvent dans mes vidéos, le tarot, il indique un chemin, une voie, une potentialité. Vous êtes maître de votre destin. Donc, ici, ce que m'indique le tarot dans ce tirage-là, c'est que j'ai potentiellement des gens qui, tout heureux d'être surpuissants, mais qui ne sont pas ni des machines, ni des dieux, vont se retrouver en difficulté à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ça, ils vont s'en rendre compte peut-être trop tard parce que c'est caché là. Et donc, ce n'est pas encore écrit. Ce n'est pas annoncé par le tarot.
D'accord? Donc attention au surmenage, c'est ce que je reçois. Et attention aux mauvaises fréquentations, attention aux attachements malsains, attention aux abus de café, d'alcool, tout ce qui va être jeu, tout ce qui va être pari, toute forme d'addiction. Je vous invite à vous appuyer sur l'améthyste hein, pour vous soigner. Alors peut-être pas comme sous forme de cristaux comme ça, mais sous forme, j'en ai pas là, sous forme de galets polis à garder dans la poche ou sous l'oreiller pour vous aider à vous reposer, à débrancher le cerveau, à vous défaire aussi des addictions. Voilà. Donc pour moi, hein, je le remets en positif malgré ces deux cartes qui me semblent un petit peu plus en retrait. Vous avez un potentiel illimité. Ce que vous voulez, vous l'aurez. Mais pour certains, attention, économisez-vous quand même ou faites preuve de vigilance, de prudence. Prenez soin de votre santé, mangez bien, dormez bien, évitez les abus. Ça ne veut pas dire se priver de tout, mais peut-être de la modération. Jupiter ne nous pousse pas à la modération. Jupiter aurait tendance à nous pousser à l'excès, au contraire. Et là, je reçois des excès, là. D'accord? Il y a trop. Il y a un excès de quelque chose. Donc, il faudra être vigilant à rester dans une certaine modération. Mais au-delà de ça, une fois que ces deux avertissements sont pris en compte, belle abondance et vos projets arrivent à leur terme. Pas de soucis, mes Sagittaires. Voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé et qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous invite à retourner en début de vidéo pour regarder les tirages à choix et aussi à compléter le tirage que je vous propose là pour les Sagittaires avec le tirage qui concernera votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Oui, je ne vous ai pas dit aussi, n'hésitez pas à aller voir les taroscopes hein, dans mes playlists, les taroscopes, les tirages qui concernent le cycle de la Lune et les tirages sentimentaux. J'ai aussi des tirages sur les énergies de la semaine. Hein. Donc voilà, je vous invite à aller voir tous ces tirages-là, à trouver des choses qui vont vous parler. Et puis voilà, sinon je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye! Allez, je vous retrouve maintenant pour la suite du tirage. Quel message vous devez entendre? Et alors, on va faire le tirage pour les béliers. Donc, soleil en bélier, les personnes qui ont le soleil en bélier, qui ont l'ascendant en bélier et la lune en bélier. Je vous invite à aller voir aussi à la suite de ce tirage. Tout ce qui concerne les tirages à choix que je vous ai proposé en début de vidéo et aussi à compléter ce tirage avec le reste des tirages astro pour les autres signes en fonction de votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe solaire si vous n'êtes pas bélier. Donc je commence le tirage par trois cartes hein, du Lily White Tarot. Donc ces cartes, elles vont nous parler de tout ce qui est conscient, tout ce qui est visible, hein, tout ce qui s'exprime en potentialité et en, je dirais, en une forme de réalité. Donc trois cartes pour aller voir ça. Et puis, hop. Retournerai après. Et puis je vais tirer trois cartes hein, du Lily Black pour aller voir un petit peu, explorer un peu plus ce qui est caché, ce qui est secret, ce qui est non dit, ce qui est invisible. Hein. Alors pour voir, qu'est-ce qu'on a pour mes béliers, soleil en bélier, ascendant en bélier et lune en bélier? Quel message vous devez entendre aujourd'hui? Message intemporel. Quel message intemporel pour mes béliers, s'il vous plaît?
Alors, on y va. Hop. Voilà. Ok. C'est marrant comment il y a des cartes qui ressortent selon les tirages. C'est... Alors, je vous invite à aller regarder. J'ai sorti celle-là pour un autre signe, celle-là au même endroit. Celle-là, je ne l'ai pas encore sortie. Ok. Bien, alors, j'ai une conjonction ici, Lune-Mars. Je ne sais pas à quel moment il y aura une conjonction Lune-Mars. Ça arrive souvent, hein, tout... à chaque signe, à chaque cycle lunaire, je veux dire, la Lune en tourne autour du soleil, de la Terre, pardon, elle va à un moment entrer en conjonction avec Mars. Ça va nous... Bon, ça peut contrarier en fait, l'expression de l'émotivité, hein, mais ça peut donner de l'agressivité dans la communication. Et à la réception sentimentale en fait de ce qui vous arrive, hein, la réception émotionnelle face à ce qui vous arrive, mais je vois quand même une grande protection des ressources. Donc c'est peut-être par un travail sur l'intuition et votre force de caractère que vous parvenez à protéger vos ressources. Hein. Voilà ce que je reçois. J'ai vraiment quelqu'un qui va se battre pour ce qu'il y a à défendre. Hein. Je termine le... Ouais, voilà, j'allais dire... Bon, j'allais commenter sur la Lune. On a des énergies encore lunaires ici avec la grande prêtresse. Donc, beaucoup d'intuition pour vous, mes béliers. J'ai des gens qui vont... J'ai des béliers qui vont s'exprimer... qui vont exprimer leur intuitivité ici. Hein. On vous transmet des nouvelles. Hein, peut-être des nouvelles légales. Hein. Ici, avec la loi. La règle, hein. Et on me parle aussi d'endurance, hein, tenir bon pour protéger ses ressources, hein, c'est ce que je reçois ici. Donc j'ai des béliers, qui ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais qui sont peut-être, je dirais presque pour une fois, hein, parce que c'est peut-être pas votre caractéristique la plus frappante, hein, mais on vous demande d'aller explorer votre tout ce qui est obscur en vous, hein, c'est ce que je reçois, obscur, tout ce qui est dessous, tout ce qui est caché. Tout ce que vous n'allez pas chercher d'habitude. On me parle aussi du cycle lunaire. Il y a des choses qui vont se débloquer lors du prochain cycle lunaire. Pour les femmes, on me parle aussi d'aller écouter son corps et de suivre son cycle lunaire. Même si on est ménopausée. De suivre une forme de cycle lunaire. D'accord? D'aller écouter sa guidance intérieure. Et c'est confirmé par la présence de la grande prêtresse, hein, qui marque clairement le rapport à l'intuition, à ce qui est secret caché. Il y a des grands secrets. Vous accédez à des connaissances secrètes non dites. Hein. Ah, il y a de la grande sagesse, grande connaissance. Hein. J'ai vraiment ça. Et j'ai l'empereur qui matérialise en fait les réussites, qui concrétise les projets. Ça peut être des projets sentimentaux, des projets... dans les affaires, à la lumière de ce que vous avez ressenti. J'ai des gens qui vont aller à l'intuition faire les choses et ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Puisque j'ai des stabilisations. J'ai des gens aussi alors, qui reçoivent des nouvelles ou qui secrètement attendent des nouvelles, qui aimeraient savoir ce qui se trame ici. Ici, je ne l'ai pas dit, j'ai l'énergie du bélier aussi. Hein. Mars, bélier, esprit de conquête, autorité, parfois dureté. Mais là, il me semble qu'il y a une dureté qui est nécessaire pour se défendre et se protéger et tenir bon. Donc, mes béliers, vous défendez votre beefsteak hein, pour la période qui s'ouvre à vous. Donc, je ne sais pas à quel moment vous allez recevoir cette guidance, hein, mais je vois comment vous défendez vos intérêts, vous défendez votre position et pour moi c'est tout à fait justifié. Voilà. J'ai peut-être des gens aussi, ici on a quand même la notion d'espion, j'ai peut-être des gens qui vous surveillent, que ce soit par internet, par le voisinage, hein, d'accord? Mais bon, c'est pas une problématique, hein, c'est caché, mais ça ne vous nuit pas plus que ça. J'ai rien qui fait que, il n'y a rien qui m'indique que ça pourrait vous nuire. C'est embêtant, mais ça n'est pas... Il n'y a rien...
Voilà, vous savez, les gens, ils tapent votre nom sur Internet, ils regardent les résultats qui sortent, ça va peut-être pas plus loin. Vous êtes intouchable et vous savez vous défendre. Au besoin, vous faites appel à quelqu'un qui connaît la loi et qui va vous défendre tranquillement, hein. Ce sera pas très, ça sera pas très, comment dire, pas très compliqué. Pas très compliqué. Voilà. J'ai aussi des gens qui, sur le plan sentimental, ont peut-être traversé une période difficile, hein. Ça a été peut-être une épreuve pour eux, mais j'ai des stabilisations avec des unions, alors qui se légalisent. J'ai aussi des choses qui se tranchent. Ça peut aussi être des décisions concernant des séparations qui sont ordonnées quelque part, hein. On s'entend pour arrêter la relation. Et on protège, on se protège parce que la relation ne nous apporte plus, elle nous fait trop de mal. On se protège, on protège ses ressources. Si c'est une séparation entre guillemets à l'amiable, chacun retrouve ses, comment on dit, ses billes, hein, hein. Chacun récupère ce qu'il avait mis au départ. Les choses se font de façon assez sereine, je dirais. C'est pas, voilà. En tout cas, des choses concrètes se passent là. Et si ça ne se fait pas à l'amiable, il y a quelqu'un qui tranche, mais pour moi, ça ne fait pas trop de. Il n'y a pas trop de. Je ne ressens pas de dégâts en particulier, hein. Simplement, peut-être des situations qui, à votre goût, durent un petit peu trop pour certains et qui vont du coup demander votre endurance, hein. Voilà. Je vous invite vraiment à aller explorer tout ce pan sur le côté lunaire, inconscient, mes béliers là. Hein. À essayer d'aller voir ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Hein. Bon, si votre petite voix, elle vous parle, elle vous dit non mais là ça va pas ça. Ou là il faudrait que je fasse ça. Je le sens comme ça, c'est une évidence pour moi. Voilà, j'ai terminé le tirage, mes béliers. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. À vous abonner également. Je vous invite à aller voir le reste de la vidéo, les autres tirages par signe dans la deuxième partie de vidéo, ou bien et aussi tout ce qui est guidance intemporelle à choix dans la première partie de la vidéo. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de ma chaîne. Hein. Vous les retrouvez dans des playlists. Hein. On a les taroscopes par mois. On a des tirages en rapport avec le cycle lunaire. On a aussi des tirages des énergies de la semaine. Hein. Et on a aussi des tirages sentimentaux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller explorer tout ça pour voir si vous trouvez des messages qui peuvent vous parler. Voilà. Je vous souhaite une très très belle période hein, pour la suite. Hein. Et je vous retrouve très vite pour ma prochaine vidéo. Allez, bye bye. Je vous embrasse. Allez, on continue le tirage pour savoir quel message vous devez entendre. On continue avec le tirage astro et on va continuer pour les scorpions. Quel message pour mes scorpions? Soleil en scorpion, ascendant en scorpion et lune en scorpion. Je commence par regarder avec le Lily White Tarot un message qui concerne votre vie extérieure, ce que vous donnez à voir en société, ce qui est visible, les potentialités aussi de la situation. Hop. Alors, je pense que j'ai mon message là-dedans. Pour mes scorpions, qu'est-ce qu'on a? On va voir si les amoureux ressortent. Elle s'est montrée pas sûre, on verra. Hop. On verra ça. Alors. Donc ça c'est pour tout ce qui est visible, je disais, et je continue avec le Lily Black pour aller explorer tout ce qui est invisible. Tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est secret, tout ce qui est inconscient, tout ce qui relève du subconscient. Hop, une première carte. Pour mes scorpions, qu'est-ce qu'on a? Message intemporel à compléter avec les autres tirages astro et le début du tirage, les différentes guidances à choix. Hein, on choisit une pierre hein, de façon intuitive hein. Et puis on regarde le tirage. Alors,
mes scorpions. Quelles énergies et quels messages vous avez à recevoir? Roi de terre, 2 de bâton. Les amoureux qui ressortent. Oui. Elle voulait vraiment parler. D'accord. 10 de coupe. Dans ce qui est caché. 10 de bâton. C'est la troisième fois, je crois, qu'il ressort à cette place-là, hein, celui-là. Sur d'autres signes, c'était sorti aussi. 2 de denier. Je suis impressionnée quand même comment certaines cartes veulent s'exprimer à certains endroits. J'ai peut-être une tendance aussi plus globale qui va durer sur une longue période de gens qui sont fatigués. Hein. Vu comment ça s'exprime comme ça dans l'inconscient, sur plusieurs signes, sur une guidance intemporelle, pour moi, j'ai une période là qui peut durer plusieurs mois, voire peut-être sur plusieurs années de quelque chose qui va coûter à certaines personnes. Hein. Là, je suis avec ce Covid. Hein. Ce Covid, il nous prend la tête. Hein. Il nous demande beaucoup d'énergie. Hein. Il nous demande de tenir. Voilà, mais ça, c'est vraiment sur quelque chose de général et de pas intemporel. Mais du coup, c'est quand même plus, comment dire, générationnel presque. Hein. Puisque là, on est quand même, ça fait déjà, au moment où je fais le tirage, ça fait, je sais plus. Ça fait plus d'un an, en fait. Ça fait plus d'un an qu'on a eu le problème, hein. Un an et demi bientôt. On a commencé les confinements et tout par rapport au Covid. Et je vois comment ça use certaines personnes. Pour moi, c'est l'interprétation principale que j'en fais. Je reçois aussi comment notre société, avec nos modes de vie, on est toujours à la course au plus, plus, plus. Et on quitte à s'épuiser. Hein, quitte à s'épuiser. Donc là, le message que je reçois aussi, c'est protégez-vous. Prenez soin de vous. Aimez-vous et prenez soin de vous. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà ce que j'ai à vous dire, hein, mes scorpions. Alors, je reprends le tirage globalement. Alors, j'ai de superbes énergies ici. J'ai des gens qui savent faire fructifier les choses. Des énergies de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, très marqué dans la capacité à faire fructifier. On fait fructifier. Ici, on est avec les énergies du Taureau en particulier, terre fixe. J'ai des scorpions qui peuvent... Alors, j'ai peut-être quelqu'un, effectivement, un signe de terre qui intervient dans votre vie. Ça peut être un conjoint, ça peut être un partenaire dans les affaires. Mais j'ai aussi vous qui vous caractérisez pour cette guidance par une capacité à savoir ce que vous voulez et à être capable de d'aller vers votre objectif. Hein. On vous donne, mettons, on vous donne, je sais pas moi, deux choses, je sais pas, des œufs et de la farine, vous en faites un gâteau qui va être bon, qui va être, voilà, on vous donne de l'argent, vous allez arriver à le faire fructifier. C'est bien ça l'idée. Ça peut être dans des situations très différentes. Hein. On va vous donner... des pelotes de laine, vous allez en faire quelque chose de magnifique. Voilà. On vous prête un objet qui va vous permettre de faire quelque chose. Vous l'utilisez à bon escient, vous faites fructifier le temps dont vous disposez, les ressources qu'on met à votre disposition globalement. Tout ceci dans un esprit de conquête. Vous prenez le temps d'évaluer les situations pour aller vers votre conquête. Et vous avez aussi l'idée de faire des choix justes et à propos, ici, j'ai aussi des choix. Alors, cette carte de l'amoureux, l'amoureux s'exprime tout ça, mais dans cette expression-là, j'ai le sentiment aussi qu'on a une forme d'union. Des choix qui vous permettent de vous unir. Alors, on peut avoir, de façon très basique, hein, sur le sentimental, j'ai des gens, peut-être un signe de terre que vous rencontrez, mes scorpions, et après une phase d'évaluation, ben, vous concrétisez la relation. J'ai ça pour certains. On s'observe, on se regarde, puis bon, bah en fait, ça va le faire. Hein. Voilà, j'ai ça. Mais j'ai aussi des gens qui font des choix fructueux, qui vont bien choisir. Parce que au final, après avoir tranché, on va vers, comment dire, une réintégration des énergies.
Et on revient sur des énergies de terre. On a l'arbre là qui est ancré dans la terre, dans la matière, dans la praticité. Hein. Donc de très très belles énergies. Vous savez utiliser vos énergies et les ressources qui sont à votre disposition, mes scorpions. On me parle aussi intérieurement d'une grande puissance émotionnelle intérieurement. Hein. Signe d'eau, 10 d'eau. J'ai des gens qui sont épanouis sur le plan des émotions. Et c'est ça qui leur donne aussi une force, une puissance. Sans limite. J'ai vraiment cette expression qui arrive, hein, sans limite. Avec toutefois, comme je l'ai dit tout à l'heure, attention, parce que c'est sans limite, oui, vous êtes capable de beaucoup, mais on est quand même humain. On n'est pas des surhommes. Hein. Surhommes, surfemmes, je ne sais pas si on dit surfemmes. Hein. Des surhumains. Des surhumains. On n'est pas surhumains. Et pour moi, là, il y a des choses à aller explorer. Il y a des choses à évaluer avant de vous engager, avant de dire oui à certains engagements. Donc, je fais la lecture dans plusieurs axes, hein, plusieurs interprétations. Mes scorpions, pour la période qui s'ouvre à vous, quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo et où vous écouterez ma guidance, elle vous invite, cette guidance, à prendre soin de vous et à bien évaluer. Ok, vous voulez aller vers votre abondance, d'accord, mais à quel prix? Si le prix c'est un burn-out et il vous faut 6 mois pour vous en remettre, il vous faut partir à l'autre bout de la planète, hein, vous faire des stages de détox, téléphone, tout ça, vous allez perdre justement au final en productivité. Vous avez la capacité à faire fructifier, donc pour moi, ici, on a comme une forme d'avertissement, mais vous savez comment faire en fait. C'est juste un petit reminder, c'est un petit rappel. Voilà, vous faites attention. Pensez-y, il y a ça quand même derrière. On est dans des contextes sanitaires, tout ça un peu difficile. Donc, pensez-y, mais vous savez, vous avez les pieds sur terre en fait. D'accord, mes scorpions, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous allez pouvoir y parvenir. Et effectivement, vous savez jongler avec la matière. Vous savez faire avec les ressources que vous avez à votre disposition. C'est votre botte secrète même, en fait. Et vous arrivez à l'union des opposés, à la fusion des choses. C'est vraiment très, très beau, très puissant, très fort. J'ai aussi la notion avec ces arbres qui s'entrecroisent d'une forme de transformation qui est en lien avec votre signe, hein, Pluton, le scorpion, les énergies de transformation. J'ai même une hybridation en fait qui se forme. C'est comme si ces deux arbres, ils allaient rentrer en fait l'un dans l'autre. Vous arrivez à, j'ai pas le mot, mais c'est le fait d'unir les choses. Vous fusionnez les choses de façon pleine et entière et de façon parfaite, mes scorpions. Vous allez régler les choses qu'il y a à régler. Voilà. Vous réconciliez les gens entre eux. Vous conciliez le pour et le contre. J'ai de belles énergies, de belles réussites. Hein. Il y a beaucoup de puissance pour moi là. Voilà. Bah, écoutez, j'ai rien à rajouter. Je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel de ce que je reçois. Super tirage, mes scorpions. Beaucoup de puissance. Hein. J'ai des tirages souvent pour vous qui sont puissants. Je reçois des énergies fortes. Super, prenez soin de vous surtout, hein. Protégez-vous. Protégez-vous, ne chargez pas trop la mule, mes scorpions. Allez, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous pensez notamment qu'elle peut aider quelqu'un, qu'elle peut soutenir quelqu'un. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et également à aller explorer le reste de cette vidéo avec les tirages astro qui vont correspondre à votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe solaire, à retourner voir peut-être les guidances à choix qu'il y avait en début de vidéo, peut-être qu'une vous a parlé ou pas, allez explorer un petit peu plus. Je vous invite également à aller explorer ma chaîne. Je propose des taroscopes pour les mois en cours et à venir. Je propose également des guidances sentimentales et des guidances, des énergies de la semaine, ainsi que des tirages qui concernent les cycles lunaires. Voilà, donc j'imagine que vous pouvez trouver peut-être des choses qui pourraient vous intéresser et vous concerner. J'ai terminé mon blabla, je vous embrasse très très fort.
Merci pour tous les likes, je ne l'ai pas dit, hein, mais pour les nouveaux abonnés et tous les likes que vous mettez sur les vidéos. C'est super, ça, c'est super. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Moi, je m'éclate à faire ce que je fais. Je suis heureuse de pouvoir soutenir en fait les gens qui regardent mes vidéos. Voilà, donc ben, si ça soutient les gens, s'ils regardent et qu'ils apprécient, ben, c'est tout bénéfice en fait pour tout le monde. Merci encore, merci beaucoup. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, je vous embrasse fort. Allez, on continue le tirage avec le tirage astro pour savoir quel message vous devez entendre aujourd'hui. Et on va continuer avec les Verseaux. Soleil en Verseau, ascendant en Verseau et lune en Verseau. Donc je vais procéder à un tirage de trois cartes du Lillywhite Tarot de Célia Mélesville. Pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui se manifeste pour vous sur le plan de la réalité, je dirais, sur le plan du visible, hein, sur le plan extérieur à vous, qu'est-ce qui s'exprime, quelles sont les potentialités également, on va voir un petit peu ce qui sort. Donc trois cartes du Lily White, puis trois cartes du Lily Black pour aller explorer ce qui est caché. Ce qui est caché, ce qui est secret, ce qui est non dit. Hop. Ici. Alors. Donc, je continue le tirage. Oui, ce qui est secret, ce qui est inconscient, ce qui est. Hop. Ce qui est invisible. Hein, ce qui se trame aussi pour certains derrière. Hein. Je vais avoir pour certains des choses qui sont. Invisible et pourtant puissante et active. On va voir un petit peu plus précisément pour vous mes Verseaux. Donc je rappelle qu'il s'agit d'une guidance intemporelle. Je vous invite à aller compléter aussi ce message avec les autres tirages astro pour le signe, votre signe solaire ou votre ascendant ou votre signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir aussi, voilà, compléter pour voir s'il n'y a pas un message qui va vous parler différemment ou qui va éclairer, compléter ce tirage précis, mes Verseaux. Alors, regardons tout de suite. Ok, le roi d'eau. Le roi d'eau, là j'ai des gens qui se maîtrisent. Ouais, 5 de denier. J'ai des gens qui ont dû faire face à une difficulté qui a demandé beaucoup de maîtrise. J'ai encore des énergies d'eau ici et de la lune. Intuitivité, intuition, sagesse, connaissance, je dirais presque télépathique. Il y a des choses, vous savez en fait, vous savez d'où ça vient ça. Vous savez pourquoi c'est là. Ça peut être un sentiment de perte, hein, ou la peur de perdre un statut, la peur de perdre des moyens, la peur de perdre de l'argent, la peur d'être rejeté. Mais le secret, c'est qu'en fait, vous faites partie d'une famille solide. Donc, il y a des choses qui se passent dans vos têtes, il faut aller explorer pourquoi vous avez ce doute-là, mes Verseaux. J'ai des gens qui vont vers leur conquête, hein, trois de bâtons. Simplement, ça ne se manifeste pas encore pour certains. Oh là là. Faut quand même le faire, ça. Moi, c'est pas la première fois que je ressors les deux mêmes cartes sur le plan. Alors, ça ressort pas très bien quand je mets les deux. Ça contraste pas bien, les deux. Pourtant, les cartes du Lily Black sont juste magnifiques. On a de nouveau la grande prêtresse. Regardez comme elle est belle au pastel. Bon, je crois que le message est clair, mes Verseaux. Il y a des choses secrètes là. Il y a des choses qui sont dans l'intuition, qui sont dans le non-dit. J'ai des choses très spirituelles. Hein. Vous savez comment ça doit fonctionner. Vous le savez, ça vous demande de la maîtrise. Je vais quand même regarder, je vais compléter ici avec sur ce 5 là. J'ai des gens qui se retrouvent bloqués parce qu'ils doivent faire des choix. Oser faire les choix qu'il y a à faire.
Osez faire les choix qu'il y a à faire. Vous le savez. Vous savez les choix qui s'imposent à vous, mes Verseaux. Même si c'est dur, même si vous avez peur d'être exclu. Le tirage me dit, vous ne serez pas exclu parce que votre famille, elle est là, elle vous soutient. Et peut-être que la famille dont on parle, ça n'est pas la famille à laquelle vous pensez. Peut-être que vous avez une famille de cœur, qui est peut-être à laquelle vous êtes attaché de façon plus forte que votre famille de sang. C'est pas grave. Mais vous le savez, ça, en fait. Ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est pas une nouvelle. En fait, je vous apporte juste la confirmation de ce que vous savez intérieurement. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, bien entendu. C'est très spécifique ce que je suis en train de dire. Mais j'ai des gens qui savent déjà ce que je suis en train de dire. Ils ont juste la confirmation, là. Juste la confirmation. Faites vos choix. Faites vos choix. Vous avez le droit. Alors, ça peut être aussi vis-à-vis de l'administration, vos choix. Assumez vos choix. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, vous repartez sur un nouveau chemin. Vous repartez sur un nouveau chemin et vous n'allez pas être exclu. Vous laissez s'exprimer ici avec le fou et les énergies d'Uranus. Vous laissez s'exprimer votre singularité. Peu importe ce qu'en diront les autres. Je vais déplacer un petit peu le tirage. Je vais le mettre comme ça. Comme ça. Tac. Exprimez-vous. Vous en avez besoin. Laissez parler votre originalité. C'est vraiment, je sais que c'est ce que vous ressentez au fond de vous. Vous en avez besoin, vous en avez envie. Ce tirage vous dit vas-y. Il n'y a rien à perdre. Vous ne perdrez rien parce que vous êtes protégés ici. D'accord, mes Verseaux? Grande intuition. Ça peut être aussi les messages qu'on vous envoie. Je ne sais pas si vous regardez d'autres guidances aussi sur Internet. Les messages qu'on vous envoie, allez-y. Utilisez-les si vous portent en fait. Mais pour moi, il n'y a même pas besoin de ça. Vous êtes porté par vous-même. Vous savez au fond de vous ce qui est important pour vous, ce qui va vous permettre de vous épanouir, ce qui vous permet d'aller vers votre abondance. Ne lâchez pas. Mais vous allez y arriver, hein, j'en suis persuadée. Ben voilà mes Verseaux, j'ai terminé le tirage. Hein. Je ne sais pas, il était peut-être pas très long. Bon, en tout cas, message clair pour moi, hein, sans ambiguïté. Alors, je vous invite à liker la vidéo, si elle vous a plu, si elle vous a parlé, à vous abonner aussi. Je remercie aussi les nombreux abonnements, les nombreuses vues, les nombreux likes sur mes vidéos. Merci du fond du cœur, merci à mes Verseaux hein, en particulier. N'hésitez pas à aller voir les taroscopes hein, pour votre signe, en particulier, mais pas exclusivement, hein. Merci à tous. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de Verseaux qui regardent mes vidéos. En tout cas, qui regardent les vidéos Verseaux. Voilà. Donc, écoutez, c'est super si ça vous parle et si ça vous plaît, si ça vous soutient. Donc, likez les vidéos, ça les soutient. Ça soutient la chaîne. Abonnez-vous également. Et puis, n'hésitez pas à partager les vidéos si vous pensez, cette vidéo en particulier, hein, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, qu'elle peut soutenir cette personne. Voilà, je vous invite aussi à aller compléter le tirage avec la suite, le reste des tirages astro qui vont concerner votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Allez voir également les guidances intuitives du début de la vidéo. Peut-être que vous en avez essayé une, qu'elle ne vous a pas parlé, je sais pas. Essayez d'aller voir, hein. N'hésitez pas à aller en voir plusieurs parce que des fois les messages peuvent vous... Il y a peut-être plusieurs messages qui vous sont destinés. Voilà, bon, je crois que j'ai fini mon blabla là, donc voilà, j'arrête maintenant. Je vous embrasse très très fort mes Verseaux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye. Allez, on continue le tirage pour savoir quel message vous devez entendre pour cette guidance intemporelle avec un tirage pour les balances. Soleil en balance, ascendant en balance et lune en balance. Alors, on y va pour ce qui est visible.
ce qui s'exprime, ce qui est extérieur à vous, les potentialités. Donc trois cartes, hein, du Lily White, de Celia Mélesville. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes balances? Trois cartes. Ici, troisième carte. Et je vais compléter le tirage avec le Lily Black. Donc, le Lily Black qui va nous permettre d'aller explorer, hop, ce qui est non dit, ce qui est caché, ce qui est secret. Donc, qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui, mes balances? Un message intemporel. Je vous invite à aller voir les autres parties de la vidéo qui concernent les autres signes astro en fonction de votre signe solaire, lunaire et ascendant. Et aussi aller voir les guidances à choix de la première partie de la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Hop, ici. Quel message pour mes balances, pour cette guidance intemporelle. D'accord, bon, elle est sortie. Je l'ai vue, mais on va voir après. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Balance. C'est dingue comment j'ai les cartes qui ressortent au même endroit. Il y a vraiment des messages, je le répète, des messages qui sortent pour le collectif. Là. J'ai de nouveau un roi de terre ici qui arrive. Énergie du taureau, mais ça peut aussi correspondre à un signe de terre, énergie masculine, un signe de terre, taureau donc, taureau, vierge, capricorne. On fait fructifier ici des choses qu'on a à sa disposition, hein, pour mes balances. Ok. Avec le valet de bâton, on a un désir qui est identifié. Waouh, regardez ce qui est en train d'arriver. J'ai de la plénitude, hein. C'est retourné, celle-là, je l'avais vue. Plénitude, hein. Il y a un grand bonheur. Donc, vous avez mes balances pour la période qui s'ouvre. Vous avez les pieds sur terre. On me dit que vous avez une puissance forte. Hein. Vous savez déterminer ce que vous voulez et ça vous apporte le bonheur dans la communauté, un équilibre. Regardez, vous êtes comme un poisson dans l'eau. Regardez toute cette communauté qui nage dans l'eau, l'abondance, l'émotion. Tout va bien, tout va très très bien. Tout va très bien pour vous. Il y a eu un travail peut-être de fond psychologique, hein, que vous avez fait tranquillement sur vous, mes balances. Peut-être un long chemin, un parcours de pèlerin, mais on est arrivé au bout et on sait qui on est. On sait bien, on sait où on en est là maintenant. On est droit dans ses bottes. Hein. Ici, j'ai le roi d'eau. On se maîtrise. Peut-être que par le passé, j'avais des gens qui étaient... Beaucoup d'eau, hein, beaucoup d'émotions. Là, regardez toute cette eau-là. J'ai peut-être des gens qui ont vécu des périodes difficiles, hein, des deuils, des périodes de chômage, des périodes avec des difficultés financières peut-être lourdes pour certains. J'ai des gens qui ont perdu un compagnon, une compagne, un animal de compagnie. J'ai des gens qui ont eu dans leur période, à une période de leur vie, je veux dire, qui ont été affectés sur le plan émotionnel, hein, qui ont traversé des périodes, peut-être des traversées du désert pour certains, des périodes difficiles, mais qui ont su se relever, qui savent se maîtriser et qui savent aller vers leur abondance émotionnelle. Donc voilà, ce que me dit la guidance là, c'est que vous avez, elle me fait simplement un constat de d'où vous venez et vers où vous allez. Vous savez ce que vous voulez. Et si vous ne le savez pas encore, bien, cette carte, elle vous dit, si, si, regarde bien au fond de toi, fais un travail intérieur, tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux. Écoute-toi avec une certaine maîtrise. Hein. Ici, c'est des émotions maîtrisées. C'est l'air d'eau. Donc, air parce que c'est le roi et eau parce qu'on est sur les coupes. Hein. Erdo. J'ai les énergies du scorpion et de la balance là en fait. Hein. Dernier décan de la balance et deux premiers décans du scorpion. Donc pour certains, ça va peut-être vous concerner au premier plan. Hein. Pour ceux qui sont dans le troisième décan, ceux qui sont nés avec le soleil dans le troisième décan de la balance, hein, voilà, vous êtes là. C'est vous ça. Vous savez ce que vous voulez.
Vous déterminez votre envie, votre désir. Votre désir, c'est d'être bien, d'équilibrer les choses, qui est du bonheur, qui est une réussite. Et vous allez y parvenir parce que vous savez comment faire. Alors, ça peut être du bonheur familial, ça peut être du bonheur conjugal, du bonheur amical. Ça peut être aussi une réussite sur le plan des affaires. Je peux avoir tous les domaines là, sans distinction. J'ai une belle réussite, une belle satisfaction, quelque chose qui vous remplit sur le plan émotionnel. Et c'est confirmé par, bien entendu, par les deux cartes. Et je ne sais pas si je t'ai dit, mais ce n'est pas la première fois que ça se confirme comme ça. Deux cartes qui sortent dans le Lily White et le Lily Black. Les mêmes cartes correspondantes. Voilà mes balances, j'ai terminé. Hein. Super, vous pouvez y aller, quoi. N'ayez crainte, vous allez vers votre abondance. Hein. Vous allez vers votre abondance. Vous avez les capacités pour vous maîtriser. Vous savez aller chercher dans votre fort intérieur ce qui vous parle pour aller vers ce qui vous rend heureux, heureuse. Je vous embrasse très très fort. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a aidé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un et soutenir cette personne. Voilà. Je vous invite à continuer à explorer cette vidéo pour aller chercher un tirage astro sur votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant. Je vous invite aussi à retourner sur les guidances à choix du début de la vidéo. Je vous invite également, et ce sera ma dernière invitation pour ce passage de la vidéo, je vous invite à aller explorer les autres playlists, enfin les autres parties de ma chaîne en fait, avec des playlists, playlists taroscope du mois en cours, du mois à venir. Tirage pour les cycles lunaires, tirages sentimentaux et tirages qui concernent les énergies de la semaine. Voilà, j'espère que vous trouverez quelque chose qui peut vous intéresser. Merci pour tous les likes, pour tous les nouveaux abonnements, pour toutes les vues, c'est super. On est en pleine croissance. Voilà, je suis très contente de voir que le contenu que je vous propose vous parle. Voilà, donc c'est super. Moi, je suis très contente que ça vous parle. Moi, je me régale, en fait, à faire ça. Et j'ai une nécessité, en fait, hein, de transmettre. J'ai des messages, en fait, qui me disent qu'il y a besoin de transmettre les messages. Voilà, donc c'est top. Allez, j'arrête là. Je vous embrasse très, très fort. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.